Salut tout le monde, c'est votre Nabilus, j'espère que vous allez bien depuis notre précédent épisode. Très heureux de vous retrouver pour notre troisième vidéo sur l'incroyable Lethal Company. Et ma Lethal Company encore aujourd'hui, c'est Pepperino. Salut mon gars. Eh oui, salut YouTube, c'est comment moi, le grand Ah, il a l'air... Ah, yes. Tellement, tellement nonchalant, tellement blasé, parce qu'on n'a pas son niveau. Chris, comment vas-tu? Aujourd'hui, zéro ça Chris. Ça va, voilà, merci bien. Ça fait plaisir. Zéro ça quoi, t'as dit fort, zéro cri. Ah ok, zéro cri. On s'en rien. Rappellera, rappelez-vous-en, zéro cri. Eh, hey, il y a quoi ici derrière la porte? Ah, ah. Hey, bonjour monsieur. Ça va bien ou quoi? Waza. On a une nouvelle recrue les amis. Monsieur Ryan est notre nouvel invité. C'est vrai qu'on a essayé de tourner deux autres vidéos auparavant, mais on les a supprimées. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous faire une giga vidéo. Là, on va enregistrer 3 heures de jeu, c'est tout. T'es pas obligé de m'afficher comme ça, hein. Non, insupportable. C'est direct. Pour ceux qui n'ont pas vu nos précédentes vidéos, nous sommes l'équipage de bras cassés de ce vaisseau spatial et nous avons des missions à effectuer sur des lunes. On doit récupérer du stuff, faire de l'argent et à chaque fois, on a une deadline. Si on fait pas l'argent à temps, on est finito. Donc, si vous n'avez pas vu nos précédents épisodes, le lien est dans la description. Mais sinon, c'est pas grave parce qu'on vient de relancer une nouvelle game vu qu'on n'arrête pas de mourir comme des losers. Ok. Les gars, Il me semble qu'on a, on n'est pas mort la dernière game, hein, si jamais. Ah non? Tu nous expliques ou pas? Commence de zéro, là. Attends, j'achète une pelle. Voilà. Ok, bon, il me force là. Je vais confesser. Je vais confesser YouTube. Hier, là, on était en train d'enregistrer une vidéo sur ce jeu. On a joué pendant 45 minutes. On a été le plus loin qu'on ait jamais été. Enfin, c'était la suite. Et à un moment, quand on devait aller à la station pour vendre nos affaires à la Company Building, j'ai fait comme ça, Company. Hop, et j'ai fait échappe. Sauf qu'il fallait confirmer. Donc je pars décoller. Et on n'est pas allé vers la compagnie. On a raté la deadline. Et on a perdu hier une partie à cause de moi. C'est bon, vous êtes content là? Ouais, merci. Une très voilà. Bonne partie à cause de toi. Allez. Après, les frères, il a quand même dit qu'on a joué que 45 minutes quoi. Mais c'est pas grave. Non, mais on avait joué 2 heures. Mais la vidéo qu'on avait commencé à enregistrer, bref. Allez, c'est parti. Laissez-moi tranquille, ok? Y'a pas de vidéo, y'a pas de preuve. C'est parti pour la première mission. J'ai acheté... Moi j'ai une POV. Ah le pire. J'ai acheté les gars, caméra, pas caméra mais lampe et une pelle. Ryan, tu veux pas les prendre? Vas-y, j'arrive, je vais les prendre. Je savais pas qu'il y avait une livraison. S'il te plaît. Je serais resté mais je vais montrer aux gens sur YouTube. Le skin Ryan, c'est nouveau, on l'a mis de corvée. C'est en train de m'afficher comme ça là. Wow, wow. Moi je crie pas. C'est parti. C'est parti, bonne chance. Moi je vais au milieu. Allez. Il faut scanner. Il y a des trucs cachés partout. Ah, il y a une clé. J'ai une clé. J'ai pris. Il y a la livraison. Oula. Aujourd'hui les amis, l'objectif est d'atteindre les planètes de haut niveau, les lunes de haut niveau. Ah, il y a une mine ici. Être riche. J'aime pas cet endroit. Enfin, la musique s'arrête. On s'achètera des talkie-walkie. Wesh! Allô? Wesh, pourquoi il fait froid sur nous? Bah frère, allume ta lampe, t'as une lampe, non? Je suis là, suis ma voix, viens, je suis allé au milieu. Balek, il y a des mines. Allo. Ouais, je suis là, fais gaffe, il y a une mine. Ah, il a enlevé le réacteur. Non. Attendez, je vais leur faire quoi? Amo. Ça doit être bilou. Attendez, les gars, je crois que je sais plus comment rallumer. C'est bon, je suis là. Désolé, c'était une blague. Désolé. Il a dit j'ai arrêté le brouillard, je pense que c'est une vanne de vapeur. Les gars, je suis jamais venu dans un endroit qui ressemble à ça. On dirait un convoyeur à Agrega là, un convoyeur de charbon. Anehna. T'es où? Je suis là, j'ai traversé, j'ai sauté, puis je suis de l'autre côté.
ok. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah, Rag nous a rejoint. Attends, vous êtes au-dessus ou en dessous de nous? C'est terrifiant, hein. On commence un peu à tarder, je trouve. Ah. Ok, Bilou, il en rapproche ou pas? J'ai trouvé 3 loot, là. Non, j'ai pas laissé un moteur. Prends-le. Les gars, on tarde trop, là, je commence à angoisser. Vous savez qu'au bout d'un moment... les monstres commencent à arriver. J'ai l'impression d'être revenu vers l'entrée, ouais. Ah ah, il y a un autre moteur ici. C'est bon, moi j'ai fait mon taf, hein. J'ai 3 pièces, là. J'espère juste trouver la sortie. Ça, ça fait flipper. Bismillah. J'étais sûr que j'étais mort là, les gars. J'étais sûr que j'étais mort. Ok, on va pas se suicider. Ça va. Et mince, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, ça coûte combien ça? 44 balles. Aïe. Ryan! Ça pue. Vous avez entendu? Ryan! Ça coûte combien le moteur? 34, ok, ça se bouge. Allô? Les gars! Les gars, je suis là. Ah, Bilou. Je suis là. Y'a quoi? C'est Fort Boyard, faut sortir. C'est quoi Fort Boyard, ça veut dire quoi? Bah je sais ce que c'est. Non mais j'ai... Ah! Il m'entend mais je l'entends pas, il s'éloigne on dirait. Je sais c'est quoi Fort Boyard mais je voulais dire qu'est-ce que tu veux dire par là. Viens au pire, viens. Tant pis pour lui, on a pas le temps là, vraiment. Il a arraché la pile, go viens. Ah c'est Fort Boyard parce qu'il a arraché la pile je crois. Oh, tant pis, il répond pas, tant pis pour lui. Ah, là ouais, ici. Bien wesh. Allez, go, on s'arrache, les gars. On sait pas où il est. Il en manque un ou quoi? Ok. Ouais, il en manque un. Ah, le temps presse, c'est Fort Boyard. Ok. J'espère qu'il va trouver une sortie, vraiment. Si, il est pas mort. On va checker sur les vitals. Ouais. Bon, de toute façon, on attend, hein, s'il est vivant, mais bon. Ouais, ou on va peut-être chez quelqu'un chercher son corps à la rigueur, je sais pas si ça vaut le coup là. A voir, ça dépend de la de gravité en vrai. Plouf, ce sera toi, ouais, ok, c'est pas le cas, j'en ouais, super. Mais en vrai, je sais plus ou moins il était où. Genre, je suis allé presque à côté de lui. Ok. C'est parce que quand j'ai traversé le convoyeur, c'est là que je suis allé dans une zone trop de galère. Yeah. Les gars, j'avais 4 items, alors, j'avais 100 balles, c'est pas grave. J'ai récupéré. Alors, j'ai récupéré il pas. Ça. Par contre, il y a deux trucs à côté de lui, quoi. Il y a deux trucs à côté de lui là. Mais je pense deux qu'il items. Mort, il attends, il y a des là. Monstres. Je sais pas, moi je vois pas de monstres. Hein. Non, c'est pas des de items. Monstres, Bilou. Ah, c'est peut-être le loot qu'il porte. Bon. Je sais pas comment il pourrait s'enfuir de là où il est. Non, je suis mort de savoir où il est en fait le truc. Le truc c'est que là pour le rejoindre, c'est je suis dans un trou, ouais, je suis dans un trou, y'a pas d'indication. Moi je pense que c'est le mauvais plan. On est bien en fait, on a largement l'argent pour le quota, c'est combien? C'est 130, on a 130 ouais, largement. Vas-y, il est 17h, on s'arrache. Oui, on a largement 130 les gars, on s'arrache tant pis. On l'aime bien, mais tant pis. On aurait essayé. On s'arrache, on esquive. Mais ça le tue si on part sans lui ou? Mais il bouge pas frère. Il est missing. Il bouge pas. Enfin, s'il est vivant, il est missing genre sur le terrain. Fait. 100% il bouge pas. Enfin, pour moi il a juste fui la compagnie, mais bon, c'est pas grave. 227 yes. Quand même, avec okay, moi okay, j'aurais... Pyro, tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire quand Chris il a dit on l'aime bien et toi t'as dit un truc, j'ai pas compris. Non, j'ai une douleur, tu sais, j'ai ma sciatique.
Et à ce moment-là, ça a fait mal, ça a tiré, j'ai fait ouf. Ouf, ah, la sciatique, j'ai capté. Bah les gars, en fait, j'ai trouvé un passage, pas secret, mais un passage étriqué. Je suis passé, et j'ai pas, en revenant, il y avait un trou que j'avais pas vu à l'aller. Je suis juste tombé dans un trou. Ok, 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 ok. Étriqué, c'est en un seul mot. Pardon. Pourquoi je rigole, quoi. Il faut pas l'encourager. Moons, vous avez décollé, oui. On va sur Va, où vous êtes chaud bah, oui. Vas-y. On fait encore un écho ou quoi? Ouais. Ouais, moi je pense on a rien à acheter jusqu'à. On fait combien? C'est ça. Combien. On va juste. On fait les 3 jours et à la dernière minute on va vendre. Yes. Je sais pas, je pensais qu'être 3. Attends. Ouais, j'avoue parce qu'il y en a quand même un, il a tout le stuff quoi. On pourrait diviser, ouais. Donne-leur une pelle, donne-leur la pelle. Non, comme nous, ça, Stéphane. Non. Nous, on y va. Gardez lumière et pelle, mais divisez-vous entre vous en fait. Ouais, ok, vas-y, je prends ce que tu veux me donner. Ouais. Nous, on est rapide et tout, c'est bien, tu vois. On est rapide. Nous, t'inquiète, on a l'habitude. Hein. Ah, mais moi, j'y suis allé sans outils et tout, j'avais 4 items. Hein. Je suis mort avec 4 items, les gars. Non, putain, qui dur. A demandé. C'est de l'autre sens, les gars. Diagonale gauche. C'est ouais, c'est là-bas, là-bas. À gauche, ouais, le pont. On tente le pont ou. À gauche. Non, mais à gauche, en allant vers l'arrière du vaisseau, oui. Sur la gauche, mais là encore plus à gauche. Ok, ok. Moi j'allais en diagonale. Ouais, moi c'était en les regardant. Tu veux la vraie réponse, quoi. On est juste des teubés, tu vois. Voilà, c'est vrai aussi. Eh, on a pas rechargé la lampe, hein. Ah bon. Si, elle est chargée, elle est chargée. Et ils allaient direct nous insulter, hein. T'as vu ça? C'est pas une équipe, c'est des ennemis. Qui a besoin d'ennemis avec non, une équipe comme des ça? Ennemis. Juste, on a le droit quand même de se foutre de votre gueule quand même. C'est un truc de fou. Un job. You have one job. Charge la fichue lampe. J'ai gardé une clé en si jamais. Nice. Chat, vous m'entendez bien? Vous entendez bien les gars? Le son est bien mixé, ça va? À ce moment-là. C'est pas trop fort. C'est fort, mais ma voix aussi normalement elle est forte, donc ça c'est égal. Je sais pas, vous me dites. Ah, cul de sac. Je peux ajuster mon micro ou je peux ajuster leur son. Parfait. Ils sont allés. Un truc que je faisais pas assez avant, c'était scanner tout le temps. Clic droit tout le temps. Clic droit partout. Oh, regarde à gauche. Vous avez quoi? Il vaut 17 et le mien, il vaut 54, frère. Il vaut 59 le mien. Ça vaut combien? 32. Ok. Ok, il a pas là. On peut avoir une barre. Un godard. C'est quoi ce bruit? Vous avez rien. C'est du métal, y'a rien. C'est juste la roue, t'inquiète. Ryan. Les gars, vous m'entendez? Ouais. Vous êtes parti du même côté que nous ou parce que c'était fermé ou pas? Oui, tout est fermé. Ah, ok, vas-y, bah quoi là? Vous avez déjà fait les tests? Putain, je vois là. On a tout fait en haut et tout fait en bas, je pense. Bah alors, attends, mais vous pouvez, je pense, hein. Attends, mais vas-y, viens, Pépé, on va prendre la sortie de secours. Ouais, je serais dingue parce que là, j'ai rien trouvé. Mais c'est sûr, il y a encore du loot, je refuse de croire. Ryan, t'es où? Mais. Allo? T'es par où? Ryan, c'est moi ton équipe, pas les deux autres. Oh, moi je suis à l'entrée parce que j'allais aller l'exit. Ok, j'arrive. Alors on allait prendre l'exit de secours. Merci Rémi. Mais eux ils vont prendre la sortie de secours. Ah, mais ils veulent dire pour rentrer. Ok, j'ai compris. Vous rentrez par l'issue de secours. Ok, oui, j'avais pas compris. Oh, elle est où? Elle est où? Là-bas. Mais des fois il y a une. Ça, c'est procédural, donc on sera pas au même endroit. Let's go. Les gars, vous êtes passés par où? Ah, vous êtes là? Mec, il y a les épaules. Il y a une araignée, les gars. On l'a pas déclenché, mais il y a une araignée qui est en stand-by là. On vous attend. Ok. On peut check en bas là, en vrai là, si vous voulez. Yes. Faites gaffe aux trucs dans les escaliers là. L'objectif du jeu, c'est de remplir le quota. Il est 11h aussi, hein. Enfin, bientôt. Même là, il doit être 13h là actuellement. Il est 13h live. Non, je viens de rentrer, il était genre midi. Ok, never mind. Bah, je crois qu'on a tout fait, hein, l'araignée, on peut rien faire contre elle, hein. Ouais, moi, j'ai eu deux items.
qu'on l'appelle. Ouais, non, non, elle est gigantesque. Vous voulez pas que j'essaye de la bait? Non, mais elle va me ken si j'essaye de la bait. Non, non. T'es l'habile, l'habile, l'habile. T'es un homme ou pas? Ouais, yalla. Il est 13h, les gars. Tu sais ce qu'il faut dire? On va voir la reine tout de suite. Faut dire si t'es pas un vrai DZ, si. T'es un Algérien ou pas? Ah, exactement. T'es un vrai DZ ou pas? Ah, yalla. Elle est où? Genre, en gros, à la lumière, suis la lumière. Elle est juste là, là, à droite. Je vois la toile. Ah ouais, elle est là. Y'a rien, frère, elle s'en fout de nous. Y'a une clé, y'a une clé, j'ai une clé. Ah, y'a sa toile, frère. Les gars, regardez si je passe dans sa toile, est-ce que je meurs ou pas? Regardez si elle bouge. Ah! Elle bouge, elle bouge. Je crie pas, les gars. Mais pourquoi tu cries, hein? Ils m'ont laissé tout seul. Ils m'avaient laissé tout seul. C'est la sciatique, j'ai pas crié, j'ai eu mal. Ok, ok, la sciatique. Elle a le... Comment on dit, là, le dos large? Ouais, le bon dos. Aïe, aïe, aïe. Vous avez un peu de soif, les gars, ou quoi? Moi j'ai un seul item, c'est une théière à 30 balles. C'est mieux que rien. Ouais, en vrai, pareil, j'ai deux items. Cool. On a fait un peu de soif. Il doit en avoir deux ou trois, je crois. Ouais, ouais, c'est pas mort. Il est où, ouais? Ryan? Il est là. Okay. Ryan? Bah non. Ah! Il est où là? Écoute, fallait bien quelqu'un. Ryan? Ah! Mais il est là, il arrive. Je vais le voir. Attends, je vais juste scanner le monstre là. Des gros pas. Ouais, bah c'est un géant, ça veut dire. On s'en va. On s'en va. On casse, on casse. Chut, il nous entend. Chut. Non, mais le mec il fait rien. Il fait rien? Ok, va le voir. Montre-nous comment il fait rien. Scannez-le si vous pouvez. Ouais, c'est vrai, il est où? Il est juste à côté du vaisseau. Eh hey, frérot, on est là si tu veux graille, hein! Ça a le chien! Eh hey, frérot! T'as faim? Eh oh! Le géant, t'es où? Eh Bilou, Bilou, Bilou! Ouais! Ouvre la porte, s'il te plaît! Ouvre la porte, s'il te plaît! On est là! C'est moi, Pépé! Pépé, c'est moi! Vite, ils arrivent! Je peux fermer. Ah, ouvrez. Les gars, il est 16h30. Ah, vous êtes les pires. Vas-y, on décolle. Je décolle. Vous avez trouvé quoi que ce soit? Oui, j'ai trouvé un item et Chris deux items. On est à combien là? 139. Oh, cool. Je vis pour le quota, les gars. Je n'existe que pour servir la compagnie. Je suis là pour remplir le quota. Cthulhu, les gars. Cthulhu. Par contre, ouais, on est d'accord, là, le monstre qui spawn à 16h, là, c'est grave. Hein. Mais c'est parce qu'ils sont là, les monstres, même de jour. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus actifs la nuit. Genre à 17h, ils sont beaucoup plus actifs. Ok. J'ai l'impression, hein. Je sais pas exact. Mais clairement, on dirait que 17h, ça les trigger. Depuis que Pyro dit 17h, moi j'ai une fixette sur 17h. Peut-être c'est 18h, mais ouais. En fait, 17h c'est la nuit. Ok, ouais. 17h, le jour disparaît, c'est la nuit, genre. Oui, ils commencent à s'activer beaucoup plus les monstres. Alors, laissez-moi vous dire ce que nous avons comme prochain choix de mission. Moi je dirais, pour rester bien et faire des sous, on retourne sur XP. Il n'y a pas de mauvaise météo dessus. Ouais. Expérimental. Alors, moi je suis. On est à 270 balles d'après la simulation là. Attends, c'est pas ouvert ici. Voilà. Attendez, ça a chargé. J'ai pas ouvert, il faut que tu rajoutes 80 aussi. J'ai pas la pile. Ouais, merci Dexter. J'ai 204. Alors, c'est sans bon. La pile, là. On va faire une bonne ça, run. Il faut rajouter 80. Hein. Vous avez scanné la reine? Négatif, non. J'étais trop en panique. C'est vrai qu'on aurait pu la scanner. Donc, ouais, elle s'est mais tu l'as fait scanner hier. La toile, hein. Oui. Mais Chris, attends, Chris a desync, je pense. Oups. Vous êtes là, vous, les gars? Pyro? Ouais. Ok, Chris a eu une desync, mais c'est sa connexion. Il est sur la 4G. Il avait dit que des fois ça déco et tout. Ouais, c'est juste Chris, il a eu une déco. Oh non. Mais il reviendra après cette mission, on le réinvite, c'est pas grave. Ouais. Il a une connexion un peu hasardeuse, il nous l'a déjà dit. Ok, Ryan, on va à droite. Pyro, tiens la lampe. Vas-y. Attends, je lui laisse la lampe, attends. Tiens, Pyro, prends la lampe vu que t'es seul. Prends la lampe. Miskin. Ah, ok. Merci. De rien. Bah là, il y a une mine. Hein. Fais gaffe, il y a une mine. Tu l'as entendu. Je vais à Chica, tout fait. Ah, j'ai trouvé le réacteur. J'ai le réacteur. Aussi. Ah, mine.
Il y a Axol ici, c'est un axe, ouais, cool. Oh bah propre, en vrai, regarde, on a le réacteur, il vaut de l'argent. Moi j'ai un... Non, prends pas. J'ai eu peur que tu le prennes, pardon. Oh, t'inquiète. Juste par réflexe, j'ai eu peur que tu le prennes. Il y a qu'une mine. Ok, c'est bon, il y a qu'une mine. T'es qui là? Merci beaucoup. Mec, ce jeu est ouf, on est à 10 heures de jeu là. On a trouvé le générateur pyro. Yes. Ouh, on a 3 engrenages, on est bien. Pyro, les gars, on a quand même 4 items là. Genre 3 engrenages et le réacteur, ça fait 4. 4 gros items. Ah, pas besoin de faire le saut, pas besoin de faire. La panique. Si tu prends le réacteur, ça coupe l'électricité partout et ça augmente la radiation. Et ça vaut de l'argent. Bah venez, on se casse, voilà, parce que on a 4 gros items. Ici, il y a plein de trucs ici. Ah, j'avoue, il y a une porte et il y a des passages ici. Ça se développe de ouf. Si, ça s'ouvre, ouais, il a raison. Je vais essayer de trouver la vapeur. Je l'entends, mais c'est derrière le mur. Il y a une mine aussi dans le brouillard. Non, il y a une mine dans le brouillard, la flemme. Ah, putain, elle est là, la mine. Par où on est rentré? Là-bas. On n'a pas sauté ici, hein. Ok, merci. Parce qu'il y a une mine dans le brouillard, j'ai pas envie d'y aller. Vas-y, on se casse alors. On se casse, ouais, on a 4 gros items, faut juste que j'aille chercher le réacteur. Non, pas par là. Non, pas par là, de l'autre côté, les gars. Et moi, j'ai fait le saut, donc il faut aller. C'est vrai, je viens de voir le saut, t'as raison. Voilà, c'est ici. On a fait à gauche là-bas, y'a rien. Bah, tenez, prenez la lampe si vous avez besoin pour. Ouais, merci, mais t'inquiète. Le machin, là. Non, les. Je vais commencer à rapporter les items. Ça roule, les donjons sont générés procéduralement, c'est jamais les mêmes, non. Yalla. Vas-y, go. Shady, this game is good. En plus, on vient de commencer une nouvelle partie, donc sit tight. Enjoy, petit popcorn, petite boisson, n'importe quoi, juste. Enjoy. Salut Néophyte, bienvenue sur le live. T'es en plein syndrome de Stockholm avec la compagnie à cause de la peur, mais je t'ai dit, je ne vis que pour servir le quota. Je ne vis que pour la compagnie. Les radiations, je ne suis pas encore sûr, on en découvrira bientôt. Mais je ne veux pas de réponse, pas d'information, rien dans le chat. Hein. Parce que beaucoup de gens ne se privent pas de nous spoil du contenu. Quand on pose une question rhétorique en mode « Hey les gars, on sait toujours pas à quoi sert la radiation ?» Il y a toujours quelqu'un pour répondre et dire « Ah en fait les gars, moi j'ai découvert que si, ça, on veut pas savoir. » Oui, c'est un truc de ouf. Mais il y a des hazmat suits. Il y a des hazmat suits, il y a des combinaisons anti-radiation. Et je suis sûr que sur les planètes haut level, les planètes niveau 3, on risque de se frotter aux radiations. On n'a pas encore été sur les planètes niveau 3. J'arrête pas d'appeler ça les planètes, excusez-moi, mais il y a 3 lunes niveau 1. Les lunes niveau 2, on en les a fait, mais on a fait encore aucune des lunes niveau 3. Et elles coûtent 550 balles. Elles coûtent 550 balles. Enfin, je me rappelle le trajet pour aller sur une lune, tu payes 550 balles. Si, on t'attend au vaisseau, au pire, ça sauvegarde, je crois. Oui, ça sauvegarde, t'inquiète, dis-lui, on va le réinviter, Chris. Il n'y a plus rien? Non, c'est bon. Bah, le syndrome de Stockholm, si, il dit que. On est pris au piège par la compagnie, mais on l'aime. Non. Alors qu'on en est prisonnier. Donc si, c'est le syndrome de Stockholm, pas mal. Mon frère Foucault, c'est un jeu de survie horreur. Le but du jeu, c'est de remplir le quota et de ne pas mourir. Yo, c'est un T3 comme d'hab, là. Ça fait 3 ans de T3, c'est beaucoup trop. Merci mon cher, pour 3 ans de sub consécutif. Merci Foucault. Il est 17h je crois. Ça serait bientôt que tu meurs et qu'on puisse récupérer ton cadavre, quoi. Ah oui, pour pas avoir une pénalité, c'est vrai, hein. Chou, on peut même pas le buter et tout. On va avoir une petite pénalité, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ah mais il va le tuer, il est trop fort. Les gars, il y a une ruche à côté de chez nous. Ah ah, on peut essayer de la péter et de partir à la dernière seconde. Ah, tu peux pas le tuer, je pense que tu peux juste le mettre à 1 HP. Tu peux le mettre très low, mais tu peux pas l'achever avec la pelle. Non, il est mort sur son écran. Ah ben c'est une desync alors, nul. Allez où les gars, on tente ou pas? Je suis grave chaud. Elle est où? Elle est là-bas. Prends-la, viens. Ils arrivent. Je l'ai posé devant le vaisseau. Ok, attends, je vais les attirer loin. Bait-les. Go. Il est mort. Sacre le bœuf. On a pété à la ruche, ça coûte combien? On s'arrache. Tant pis.
Ouais, elles vont jamais nous laisser, hein. T'as décollé? Ouais. Oui, oui, j'ai décollé. Ouah, comment... Comment on est parti comme des lâches. 148 eh, c'est 148 Wolf. C'est Wolf en vrai. Wow. Merci Ray. Ryan, ton sacrifice n'était pas vain. N'était pas en vain en tout cas. Ça l'a compté vas-y, comme. Faut attendre Chris là. Ah, Chris, ça l'a compté comme il s'est enfui. Ça nous l'a pas compté comme une mort, donc au final on est quitte. Ça, on a eu qu'un seul mort, pas deux. T'as capté? Parce que Chris il a dessiné. Ah, ouais. Tant mieux en vrai. Tout est bien qui finit bien. For the quota. Combien je vaux 148, 148 ouais. Franchement, worth de ouf. Attendez, je réinvite. If I die, non, sell my body to the company. Faut qu'on invite Chris, hein. Tu veux pas l'inviter, tu dis? Non. Ouais. C'est pas grave, écoute, on va vendre. En fait, non, je peux sauvegarder l'instance et on relance. Ok, vous rejoignez, c'est bon? C'est vas-y. Go. Regardez, ça prend 10 secondes d'héberger une partie. La sauvegarde, elle est là. Friends only confirm. Et dans 10 secondes, les gars sont là. Regardez, easy peasy. Voilà. Oh là là, les sous. De retour. Pour vous jouer de mauvais tours. Ouais, Chris. Y a pas de soucis, mec, t'inquiète, y a rien. La ruche, elle vaut 140 balles. Non. Ça vaut le coup, en vrai. Ah, bah c'est bon, nickel. Là, on a 500 dollars, les gars. On a 500 dollars. Voilà l'erreur que j'avais fait dont tu vous parlais au début de la vidéo. C'est que j'ai fait compagnie. Aller au bâtiment de la compagnie, mais j'ai pas confirmé. Et après, j'ai décollé. Et en fait, j'ai décollé, je suis allé sur la même planète. Et on était comme ça, jour zéro. Et là, du coup, on s'est fait virer. Puis quand on se fait virer dans cette compagnie, on est juste largué dans l'espace, game over, fin de la partie. Donc là, je vais aller dans company. Je vais bien confirmer. C'est bon, on a bougé. On va au company building. On décolle. Ok, nice. On est bien en compagnie. Ouais. Ouais mec, une expérience de fou là, j'étais à côté de vous, j'étais en train de loot, enfin je vous suivais tu vois dans le bunker. Ah terrifiant, toi t'étais mec. Avec nous c'était et tout, c'est juste que t'avais une dessine oui, oui, oui. Ok c'est les gars ça. Faut pas qu'on parle en fait... Bah tu peux parler, mais je veux dire quand on va vendre. On vend tout? Ouais, mais on devra vendre en deux parties je pense, y'a pas assez de place. Arrêtez, on n'a même pas encore proposé en plus. Voilà, Bilou comme d'hab. Et les gars, on parle pas. Hop, et je fais toujours la même blague. Désolé, c'est plus fort que moi. T'es le pire, sache-le. Ah! Fallait pas tout poser avant? Non, vas-y, pose. Vas-y, va poser. va poser, vas-y. T'inquiète. Ah, c'est bon, ça a été pris, Bon, ouais, ils ont pris. Si tu parles, Evo, y'a que Toulou à l'intérieur qui s'énerve et qui te bouffe. Des gigatentacules qui sortent et qui te graillent. Je l'ai montré dans l'épisode 2 de la vidéo, hein. L'épisode que je vous ai posté, l'épisode 2. On voit Pyro, je pense, se faire bouffer dans l'épisode précédent. Non, hein. C'est pour moi. Ah, c'est Chris qui se fait bouffer, alors ok. C'est notre meilleur début de partie de loin, là, les gars. Vas-y, commande, Bilou. Ouais, t'as raison, je vais commander. Je te dis ça en mode, y'a que toi qui peux le faire, mais en vrai, tu le fais bien. Non, mais t'inquiète, avec plaisir. On a perdu Ryan, les gars. Il s'est fait bouffer? Oh, non. Merde, j'ai raté ça. Ah, merde. Oh, non. En plus, les gars, vous dites que moi, je suis un gamin, mais vous faisiez exprès de parler autour, là, pour que quelqu'un se fasse bouffer. Non. Hop là. Il y a genre 4 grosses tentacules qui sortent et qui le bouffent. Vous le verrez sur l'épisode 2. Ouais, on aura peut-être l'occasion de le voir aujourd'hui dans cet épisode. Waouh. Alors, 3 pro. 129. Attends, 3 pro flashlight. Hein. 800 balles. Ouais, 100%. Waouh. 3 pro flashlight, 3 pelles. 3 pelles, c'est un peu trop, mais pourquoi pas, on les a. Ouais, genre 2 pelles, 2 toki en vrai, si on, tu veux. Regarde, tu vois, ça dépend ce que tu veux. Regarde si vous avez pas de rabais sur les pelles, parce que moi j'ai aucun rabais au magasin là. Ok, yes. Mais le truc c'est, on a pas. Y'a pas d'autres items qui font des dégâts, genre parce que... On va regarder. Et je pense qu'on restera des merdes, les gars. Attends, je vais vérifier. Je pense que vous faites des films. Y'a le zap et tout là. Y'a le zap gun, on l'avait déjà testé vite fait. C'est. Ça ralentit les ennemis, ça les tue même pas. Moi je pensais que ça allait être un railgun et tout. Vas-y, je vais chercher la note, ouais.
La boombox, je pense que c'est pour faire diversion. Non, boombox c'est pour faire diversion, non? Bah je sais pas, une boombox, au moins, je sais pas, je sais non, pas. Non, non, boombox c'est le nom des grosses chaînes stéréo que tu mets sur ton épaule, là, oub, oub, oub. C'est ça la boombox, Spiro. Ah, c'est pour la musique. C'est une chaîne stéréo qui joue de la musique, ouais. Ah, c'est nul. Vas-y, je dois commander le reste. Trop fort pour... Ça doit être trop fort pour s'enfuir la nuit, genre, quand t'es dehors, yes. Là. Ah oui, le jetpack, ça doit être OP. Le téléporteur pour le vaisseau aussi, ce serait cool, hein. Oh, franchement, c'est useless, moi, je pense. Ah, ok. En vrai, je pense que le jetpack, moins... ça nous permet surtout de sortir plus tard, tu vois. Comme ça, on vole jusqu'au vaisseau, tu vois. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais moi, je vois c'est comme ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Bref. Le TP, c'est bien. Le TP, c'est bien si tu peux TP des mecs qui sont morts. Mais je pense pas. Ouais, j'avoue. Ça me paraît ambitieux, tu vois, quand même. C'est bon, les gars, j'ai pris les pelles, j'ai pris les talkie walkie, puis. Green suit, pajama suit, record player, cozy light, c'est des décos ça. Ship upgrade, loud horn pour faire beep. Téléporteur, pour téléporter un joueur mais faut être dans le vaisseau. Beam me up Scotty, tu téléportes ton pote. Extension ladder, je me demande ce que ça fait mais... On va faire un cap avec deux tookies je pense hein. Ou trois, ça dépend. Bah ouais. Si on a quelqu'un dans le... Chris, on a tout. Moi je pense que ça sert à rien d'économiser les talkies parce qu'ils coûtent 12 balles hein. Autant que chacun ait un talkie. Ouais, j'avoue, après c'est surtout pour la place en port, tu vois. La place et la vitesse. Ah oui, pour l'inventaire et le loot, t'as raison, pour être efficace. Ouais. Tu as raison. Parce que si on a chacun une lampe et un talkie, c'est déjà moins de slots d'inventaire. C'est ça. Après, par contre, en vrai, ce qui peut être bien, c'est que. Je sais pas si t'as vu hier, quand on meurt tous, ils nous enlèvent pas les outils et tout. Oui, c'est vrai. Que les ressources. C'est en vrai, on peut se faire du stock, tu vois. T'as raison. Ok, notre tu travail vois, la ici. Pelle, comme elle est lourde là. La pelle elle est grave lourde, tu vois. Ouais, elle ralentit. Les gars, hein. Ce serait quoi le record player? C'est lecteur CD, lecteur de musique. Ah, oh, j'en veux. C'est de la déco, il y a les lumières cosy, tout ça. Bon. Ok, bah, on décolle, vous êtes prêts, go. Extension ladder, les gars, vous voyez ça comment? C'est... J'y ai pensé, je me demande ce que c'est. Ah, la Death Stranding peut-être, non? Ah oui, moi aussi j'imaginais ça comme ouais, ça. Ouais. Vous avez vu qu'il y a un TZP inhalant? J'ai vu. C'est quoi? C'est genre un boost, je pense. Tu vois, un boost de... De quelque... Imagine, tu sprints, genre. Et là, tu sprints. C'est ça, ouais. D'endurance, peut-être. Genre à la Mad Max, genre. Ouais. On a pris une amende de 124. C'est 20% de la... C'est 20% de la thune, les gars. Ah, par contre, on a $139 de overtime. Bah, ils ont été grey, c'est bon. Ok. 248, le prochain quota, ok. Chris, t'es encore en train de lire le wiki? Cozy light, toilet, table et tout, c'est pour le... Okay. Ouais, complètement. C'est bien des toilettes aussi. Ouais, de chier dans la bouche de Pépé, là. Wow. On peut pas aller aux deux planètes niveau 2 parce qu'il y en a une qui est inondée et l'autre elle est tempête. C'est pas mal. Mais en même temps nous on n'est pas des flippettes. On va aller sur offense même si elle est inondée la planète, n'est-ce pas les gars? Ah ouais, d'accord. 100% hein. Aussi moi, est-ce je, que... moi je reste dans Tiens, le Chris. Vaisseau la gueule. Ah ça roule. Ah ouais, bah, est-ce que je te commande l'inhalant et tu vas le récupérer Chris s'il te plaît? Ouais complètement, vas-y. C'est 120 balles à un inhalant. Un groupe de 3 ou... C'est bon, j'ai commandé. On décolle. Ouais, je pense vaut mieux faire groupe de 3, vaut mieux faire groupe de 3 en vrai. Mais si on a tous des tokens, on peut tous... Tout en fait vite. Carrément. Vas-y, moi je peux garder un toki, non ? Charge la lampe, hein, charge la lampe. Mais prenez tous un toki comme vous voulez. J'ai pris une pelle aussi, j'ai pris une pelle. Go go go. Radio check, radio check. Radio check, qui c'est là ? 5 sur 5. Mic check. On est là, on avance, je suis les pipelines. Mon encode c'est Alpha Papa. Chris, t'es resté ou tu pars? Moi c'est pas mon encode. Moi mon encode c'est Check Shuka les gars. Répétez. Check Shuka. Shakshuka,
Shakshuka, Shakshuka. Vous avez commandé quoi? Je mange du shuka là, ok, bien reçu. Vous avez commandé quoi les gars encore? L'inhalant, le TZP. Ah ok ok ok. C'est pas trop inondé mais ça va l'être hein. Avec le temps je pense que ça se remplit. Pyro t'es où? Ah t'es là. Y'avait que la drogue hein, tu confirmes? Chris? Ouais j'ai pris que la drogue. Je suis à côté de la livraison. La musique à travers la radio c'est vrai. Yo Chris tu me surveilles? Ouh Pyro il est trop fort. Ouais je suis derrière la PP. T'es trop fort Pyro, déjà 3 items, je vais à gauche. Bilou, j'ai vraiment rien fait, hein, genre. Ils étaient à l'entrée, tu les as pris quand même, c'est lourd, c'est lourd. Oh. C'est tout droit, tout droit, tout droit. Les gars, ok. Porte rouge, c'est quoi, les gars, pour vous? PP. Sortie de secours, c'est la sortie de secours, la porte rouge. Bien pris. Ah, mais c'est PP, hein, PP, retourne en arrière. Je me promène, moi, tout seul. En arrière, remonte, PP, remonte, PP. Mais là, il est là. Si si il t'entend Pépé. Si si je t'entends. Dis-nous tout, ensuite les directives. Remontez, il dit vous t'envoie les gars. Remontez il dit. Mais pourquoi on doit remonter? Oh, t'as tout fouillé ici? Bah non mais il m'a dit remonter. Ok, allez, dans le sas d'entrée. Prenez tout droit. Ouais tout droit là. Tout droit Pépé, tout droit, tout droit. Y'a une mine là, y'a une mine. Vas-y toi Pépé, moi je vais ailleurs pour qu'on soit efficace. Là y'a rien. Qu'est-ce que vous avez passé? On se promène. Voilà. Tout vite. Ok. Check Ryan. Excusez-moi, je tourne en rond. Ok, quoi d'autre? Chris, tu nous as sorti de là où on était, mais j'ai bien l'impression que ça se passe là-bas. C'est là où on allait au début, Chris nous a dit remonter, mais je pense que c'est bien par là qu'il y a du loot. Hein. Ouais, c'est sûr. Rien pour le moment, je suis là. J'ai la pelle en main. C'est profond. Il y a beaucoup de portes rouges, vous êtes sûr, c'est des portes de secours? C'est pas des portes que je peux ouvrir plutôt? Non, si, si. Y'a rien. Ryan, rejoins les gars. Mine. Ah, la mine, fais gaffe, hein. Yes. Ah, non, c'est juste une porte. La porte devant moi, tu peux pas l'ouvrir. Je suis pas sur toi pour le moment, je reste. J'ai une clé. Je peux vous ouvrir les portes, vous êtes tous ensemble, ce sera plus simple. Bon, rien de mon côté. Je me promène. Il y a des plein de mines, faites gaffe. Hein. Je vais faire un check d'ailleurs, les gars, je lâche la crampe. Je suis dans une grande salle, il y a 3 loots. Pyro, tu m'entends? Viens, il y a 130 balles là. 13h30. Ok, t'as mis la pistole. Là, il y a 2 items à prendre. Il y a une metal sheet à l'étage, mais elle est pas ouf, 14 balles. On devrait peut-être sortir en vrai. Ouais. Ça y est, en vrai, ça suffit. C'est quoi ça? Je sais pas si vous pouvez prendre un moteur en vous là, les gars. Ce qu'il faut que je... Ah! Ouais, j'ai encore là. Pardon, il y avait une tourelle. Il y avait une tourelle, désolé. Ah! Au secours, il y a un monstre! Ferme la porte. Mais non, mais les gars. Oh, vous avez marché sur la mine. Vous êtes mort. 1, 2, 2. Vous êtes mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a marché sur une mine. C'est moi. Moi j'ai oh vu non, un monstre. Oh non, mais le orange genre, j'ai rien compris. Que combien de temps ça va lui prendre pour réaliser, vous pensez? Détective, il arrive, il revient. Mais on est tous morts. Si si, il nous voit pas bouger, il est en mode il revient, il pense qu'on a arrêté de bouger pour pas que j'ai encore planté là. Il pense qu'il a planté. On a tout. Il voit le monstre.
Oh, il y a tellement de stuff dehors. Si c'est un génie, il va chercher le stuff, mais on lui a. C'est vrai, il y a du stuff à la porte, t'as raison. Merci mon Foucault. Merci, merci. Boubou. Vous êtes fait couper là. Boubou. 1, 2, 1, 2. Check, check, check. Check, check, check. Ah, ça dégoûte la mine qui nous one shot là. Oh, j'avais l'impression d'être loin. On a rien dans le. Il est quelle heure là? Ah, on sait même pas nous en fait. Non, il fait nuit par contre, j'ai l'impression. Non, même pas, c'est les montagnes, je pense. Attends, mais y avait il est en train d'y aller. Ah, mais regarde comment ça s'est inondé depuis qu'on est arrivé, Pyro. Il pleut, genre. Ouais, mais c'était flooded, la map était inondée. Ouais, il était 7h, frère, je vais pas vous faire peur. Il est 17h. Et en plus, c'est inondé. Non, mais mec, il serait mort, hein. Je pense qu'il serait mort bouffé par une créature. On était tellement bien, et là d'un coup, je vois une tourelle, un monstre. De ouf, une mine. Et moi, je l'ai entendu en fait. Moi, c'est parce que j'ai crié, parce que j'ai vu une tourelle. J'ai scanné un item, je pensais que c'était un item. Et là, je lis tourelle, c'est pour ça que j'ai crié. Je pensais que la lumière. Il y a les tests, les gars. Allez, ça dégage. Aïe, j'y avais pas pensé ça. Pouf. Heureusement qu'on est riche, hein. Heureusement qu'on a plein de sous. ça va, Pyro. Attends, réunion de crise là. Ah merde. Ouais. Il faut mettre quelqu'un dans la sauce et. Ok. Je dis pas le blaze, hein. Ça, je sens que ça va être moi là. Ok, réunion de crise, les amis. Ouais, tous en fait, s'il vous plaît. Dites-moi. Moi, j'aimerais juste dire un truc. On pointe le fautif. Il y a un imposteur et j'aimerais qu'on le pointe tous, ok, okay. À 3. 1, 2, 3. Là. Ah ok, pourquoi on m'explique là? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un monstre, on courait tous, Pépère, Ray et moi on est passés, Pépère, machin et tout, le dernier qui arrive, comme d'habitude, il fait quoi? Il marche sur la seule mine du couloir. Il nous a one shot. Tous les trois. Ouais. Voilà. Hier, Chris, ça j'ai revolé. J'ai revolé au bout du couloir. T'as vu comment j'étais loin des autres? Mais ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai pas compris. Moi, je me suis dit, j'ai raté un truc, tu vois. Genre, ça a lagué. Et vous êtes. Enfin, à un moment, j'ai cru que j'étais en dessin. On t'a entendu dire est-ce que j'ai planté? Aïe aïe aïe. Chris, dis-toi, on était au max. Il y avait trop d'items. Ouais, mais je sais, mais je les vois. Mec, je voyais le tas d'items là sur l'écran. J'étais là, mais waouh. Mais vas-y, je pouvais pas y aller, frère. Il était 17h. Moi, j'appelle la compagnie, attendez. Ouais. Je vais appeler la compagnie, c'est pas possible. Ok, on a encore le flash là. Oh, le la balance. Alors, merci, Tournevis. Les gars, dans le chat, si jamais il y a quelqu'un dans le chat qui veut jouer avec nous là. Waouh, vous m'abandonnez déjà. Stuber, là. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Je me fais déjà abandonner. Ok, j'ai capté. Moons. Ouais, tu t'exclus tout seul en plus. Hein. Direction marche, les gars. C'est vrai qu'il aide pas. Hein. Vous êtes méchant, j'ai rien fait. C'est juste j'ai glissé, chef. Après, ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Mais pas dans cette. Mais vraiment, j'ai eu le temps de me retourner. Ça part. De les regarder, j'ai regardé Ray droit dans les yeux. Je suis reparti, j'ai même eu le temps de me retourner et dire le dernier ferme la porte. Je me retourne. Boum, explosion. On a plus de talkie-walkie, hein. On en a qu'un seul, donc ça rien. Vas-y, moi je veux partir, les gars. Moi je veux partir. Mais ça sert à rien de rester à la base, les gars. Y'a pas de talkie-walkie. Y'a pas de talkie, viens. Ah oui. J'ai la lampe, prends une pelle. Prends une pelle, Ryan. Ryan, prends une pelle. De la maison. On la prendra alors. En sortant quoi? Ouais, de ouf, 140 balles. Ryan, c'est bon? Les gars, c'est une planète niveau 2. Je suis expert. Non, mais tu gères, ouais. C'est juste parce que t'es mon teammate. Je vais pas sans toi. Tu kiffes un peu le jeu? C'est ouf, gros. Voilà. Dans une journée là, ça suffit pour me convaincre. J'ai envie de voir le endgame. Nice, la même. Je veux qu'on aille à la lune niveau 3 là. Une des lunes niveau 3 déjà, ce serait cool. Bah, conseil, on arrête les mines quoi. Ouais, promis. Oh là là. Ah, wow, ok. Ouais, bon. Il y avait tellement de mines dans la map de tout à l'heure. Ouh, j'adore les salles comme ça, please give me loot. Là, ici, il y a plastic fish. Yo, drop, je vais drop un truc par terre, je vais voir c'est quoi la distance de scan. Ici, je le scanne.
Là, je scanne plus, hein. C'est vraiment pas une grande portée. Là, je scanne pas. Là, je le scanne. C'est vraiment pas une grande portée, ok. Il y a que là dans la salle. Ça roule ma poule. On y va. J'ai eu un item. Il y a plus rien. Ils enlèvent pas le stop. Ils enlèvent juste les trucs qui ont de la valeur. Vas-y, on monte. Vas-y, on monte. Ah oui. Ah bah y'a rien en haut. Faudrait le checker. Y'a rien en haut vite fait. Les gars, en haut c'est mort, y'a rien. Bah venez, venez ici, ça. C'est clairement de votre côté, hein. Ouais. Quelle distance touche une mine. Je connais bien ça aussi. Y'a du stuff. Ah, bâtard. Prenez, prenez la porte à gauche. Ryan, il y en a un. Les gars, chez nous, y'a une mine, faites gaffe. Qui? Je sais pas si c'est. Pyro, tu rigoles, hein. Ça c'est la salle du réacteur, oui, ça ressemble à la salle du réacteur, yes sir. Nice. Ok, GG. C'est vraiment cool ça, ça rentabilise la run, le réacteur, c'est 80 balles. Ils ont une lampe, hein. On peut prendre... Viens, on prend le réacteur et on get the fuck out. Ils ont la lampe, les gars. Ils le savent, eux? Non mais viens, ouais, on attend... Non mais vas-y, viens, on attend 30 secondes. On leur laisse un peu le temps de looter. Mais ils ont une lampe, je les ai vus avec une lampe, ils auront de la lumière. Vas-y, bah, je vais essayer de me rapprocher d'eux, de leur dire deux secs. Vas-y, essaye. C'est pas une vis, c'est une vis. Je te jure, c'est pour vis, c'est tout le bunker. Voyez-vous la tête, les amis, ici? Les deux yeux et le gros nez, on dirait moi. Non? Salut notre Cox, salut salut mon gars. Il manque les lunettes, de ouf. Ok, je ramène. Je ramène, c'est bon. Bah vas-y, 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 tu peux. Il y a un monstre, il a dit. Oh putain. J'arrive. Chut. Il est enfermé comment? Bilou. Je suis là. Attends, mais je suis là. Ressort avec commentaire, laisse-le dormir. Ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi. T'es où tout? Attends, va. Ah, vas-y, vas-y. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ferme, je suis trop lourd. Vas-y, vas-y. T'as vu comment on est tous revenus, quoi? Vous gérez. Bien vu, Ryan, de les avoir prévenus aussi, hein. Bien vu, c'était tellement bien stylé. Jouer ça, cette mission. Attendez, la ruche. Gars, vous avez encore de la place ou quoi? Non, moi, je suis full. Pas... Moi, j'ai rien sur moi. Moi, je suis full aussi. Non, mais on doit partir de toute façon, Chris. Moi, il me reste une place, moi. Et il y a la ruche. Mais aussi, non, mais on peut tenter la ruche. On tente la ruche. Ah oui, la ruche, on la tente, c'est sûr. Il faut la tenter là. 100% on l'a fait, la ruche. Mais à la base, une fois qu'on a tout déposé, une fois qu'on est safe. Je suis à 82 ouais. Livres là. Par contre, les gars, faut forcément fermer la porte, hein, pour la ruche. Est-ce que vous voulez pas attendre que. J'ai des petits ralentissements? C'est un bug ça. Ça me l'a fait hier vite fait. Ça dure pas longtemps, vous en faites pas. Ces petites saccades là. Je sais pas c'est quoi le glitch. C'est la deuxième fois que ça me le fait en 10 heures de jeu, c'est pas grave. Ça a duré 2 secondes. Non, y'a pas de système d'oxygène. On respire. Bah en fait, je veux dire, on doit pas le gérer, on a nos combinaisons qui gèrent ça. Si tu veux, mais non, y'a pas de système d'oxygène. Ah, j'ai perdu une pelle dans le tas. Ah, c'est bon. Faut juste que tu te mettes vide. Genre full endurance et bonne chance, hein. Ok. Ah. Je gère les boutons, moi, les gars. Ok. Ah, okay. Merde. Non, je regardais juste quel bouton il faisait quoi là. Donc, là, mission, j'ai les bait. Pyro, tu prends et tu rentres avec, c'est ça? Duro. Et ouais, c'est ça. Mais après, toi, on va t'abandonner du coup, hein. On va abandonner ton corps. Non, bah, je vais essayer de voir si je peux les distancer. Aussi, ok, ouais, c'est bon. Pyro, okay, tu as suivi? Tu peux direct monter. Ouais, je suis là. Ouais, je vais m'éloigner de la base. Toi, tu pourras juste monter les escaliers qui sont à côté, tu vois. Place-toi, Pyro, si en bas. Tu sens que c'est mort, tu nous dis abandonnez-moi. Je veux ton consentement. Ok, je te dirai abandon, t'inquiète. Vas-y, go. Tatsu, je te comprends. Go Pyro, go. Go Pyro. Ah non, elles sont reparties. Oh putain, vas-y, viens vite. Je suis mort. Oh, c'est bon, tout va bien.
Tu l'as lâché? Ouais, ouais. Ascends sur moi. Oh, merci. Wesh. C'est pas moi, c'est ton meilleur pote. C'est moi, c'est 100% moi, désolé. Mais ils sont rentrés dedans. Tout le monde rentre, 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 s'il vous plaît. Ferme. Mais attendez, moi je suis dehors hein. Bah rentre vite, rentre vite, viens vite, viens vite, viens vite. Dis-nous quand t'es là. Vas-y, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Fermez. Attendez, attendez. Ah décolle. J'ai décollé, calmez-vous. Il est mort, Chris est mort. Mais c'est pas grave si on est mort parce que nos cadavres sont dans le vaisseau. C'est pas grave si on meurt, nos cadavres sont dans le vaisseau. Donc ils sont remboursés. Ah, Chris bouffon. Allez, viens. On aurait dû choper le cadavre de Ryan, il était juste à la porte. Peut-être qu'il est sauvé en vrai parce qu'il est sur la passerelle. Ah non. Il est... Genre, on aurait dû le rentrer. Ah, Chris aussi. Dommage. Yo, on a fait 400 balles, let's go. Non, mais ils sont morts. Là, ça veut juste dire qu'ils sont morts, mais on les a peut-être. Attends, il est où mon corps? Ouais, t'as raison, peut-être on a pas. Si, si, Tuka, Joltis, moins. Ah, on a les deux corps, non, oui, Pyro. Deux. Let's ouais, go. Ouais, on les a. Yes. Yes. Bon, moi, c'est sketchy hein, quand même, ce truc. Hein. Quand mais, non, mais Ray, Ray, fallait pas la récupérer et se mettre à la porte, en fait. Fallait vraiment qu'on se réorganise, en fait, je pense. Les gars, écoutez, vous parce avez géré, on a pas de pénalité. Mais ouais, vous pouvez mieux la faire. Non, mais dès qu'on prend la ruche, elles font demi-tour, tu vois, elles s'en foutent, elles lâchent l'aggro du premier. Ouais. Et donc faut que tu reviennes à ce moment-là. C'est toi qui les attire. On est pas prêt assez loin, je crois. Ouais, non, c'est moi qui l'ai pris trop tôt en fait. Ça va être votre truc, les gars, vous allez gérer ça. Merde. Ça va être votre truc de faire la ruche tous les deux là. Là, je pense qu'on a, on a le quota largement déjà. Ouais. Alors la porte, c'est plus mon truc, hein. Moi j'annonce. Moi je prends plus la porte. Je peux vous écraser tout le temps là. J'ai vu une tentative. Non, mais c'est pas une tentative, c'est un homicide. Il a fermé la porte devant le nez de Ray. Mais le truc, c'est que Ray il avait les abeilles au cul, il a été tous ouais, tués. Non, non, vrai, non, bien. Mais moi, la première fois, non. Moi, je me faisais piquer, frère. La deuxième fois que j'ai dû faire le tour, j'avais plus d'endurance. La première fois, moi, je me faisais piquer, frère. Ah, je sais pas, c'est chaud, c'est trop dur. Bien joué, les gars, on vient de réussir une planète niveau 2 sans pénalité. Nice. De ouf, on est bien. GG. On est bien. GG. On prend du stuff ou pas? Des lampes, ah, juste des lampes, c'est une planète niveau 1, les gars. C'est une lampe niveau, planète niveau 1. Juste prenez des lampes, chargez-les, les lampes. Elle est où ma lampe? Moi je prends rien, c'est bon. C'est une planète niveau 1, assurance. Ah, tu veux la prendre, Chris? Non, vas-y, on y va. Je prends l'appel, pardon, c'est vrai. Je vais dire, mais elle est où ma lampe? Mon gars Ryan! On est là! Bon. Faut que quelqu'un reste en vie, les gars. Souvenez-vous-en. Oui, parce que sinon, on perd tout notre loot et on perd la partie, c'est vrai. À la seconde où ça part en couille, il y en a, on doit tous s'enfuir. Parce que c'est vrai, hein. Si jamais on meurt tous, tout ce qu'il y a dans notre vaisseau est supprimé, à part l'équipement. Donc en gros, on perd tout notre argent. Et c'est notre dernier jour pour le quota. On pourrait game over sur cette game. On fait super vite, les gars. On fait le strict minimum. Il est là. On fait le strict minimum. On fait très très vite et on part. Oh putain de merde! Quoi? Putain de merde! Quoi? Quoi? Je sais pas, je suis pas sûr. T'as entendu quoi? Je suis derrière toi avec l'appel. Je suis vraiment pas sûr, mais il y a des pas, ils sont rapprochés de plus en plus vite. Et de plus en plus fort. Ouais, non, c'est bien, les mecs. Allez. Y'a un boulon là normalement. Allez, c'est quoi ce bruit? Chut, ma taillette! Tu vas les. Ah! C'est une fucking araignée! Mat Ayatch! Mec, je t'ai dit Mat Ayatch! Ah! C'est quoi? Mais attends, t'as vu c'était quoi, gros? C'est une petite araignée là, un petit scarabée. Et vous avez pas une pelle, les gars? Y'a un scarabée à tuer, ça, les gars! Prends ça. Bon, viens, on va là. On a deux armes, les gars, venez sur le deux. Ok, donnez-en une des deux, s'il vous plaît. Ouais, tiens, viens. Venez, on va. Tiens, prends le panneau. Ah, merci. Y'a la Ryan, tu fais le bait et moi je la tue. C'est fermé du coup, hein? Ouais, c'est fermé ici. Ah non, c'est pas. Y'a un truc ouvert. Ouais. Tantôt, on pourrait aller au milieu. Allez, là, je l'entends. Très bon. Allez, les autres, t'es what the fuck. Elle vole, fais gaffe. Viens, viens, viens. T'es moi. À droite. Ah, ok, t'as rien. Ok, c'est bon. Y'a l'araignée aussi, frère. Attends, mais y'a un truc derrière. Y'a qui a trop de trucs. Y'a une araignée aussi. Mais tu peux pas les tank les deux, gros. Arwa. Allez, arrive. Les deux
Les deux ont bougé. Oh, laisse tomber. Les deux. Non, l'araignée a pas bougé. Viens, on se casse. Voilà, ça pue. Ok, elle est revenue. Viens, nous, on va jouer safe. On va sauver la game. Viens. On peut pas game over là-dessus. On a le quota. On a trois fois le quota. On a pas besoin d'argent. Moi, je vais aller au vaisseau. Me sauver. Non, no joke. Parce que, genre, imagine, ils meurent tous les trois, les gars. Je vais au vaisseau, les gars, je suis au vaisseau. T'as couru après ou quoi? Non, j'étais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je leur explique la situation, je leur dis ouais, ok, il y a une araignée, il y a une sorte de criquet. Il était juste là, derrière le mur, je me retourne, il est devant, hein. On a tous couru. Je te comprends. Moi j'ai essayé de faire le mec, je t'ai dit crie pas, à la seconde où je l'ai vu, une seconde plus tard j'ai hurlé. Mais attends, ils sont pas sortis, est-ce qu'ils sont morts? Non, ils vont aller looter. Mais nous on sécurise justement le loot. Non, il a spawn genre devant l'entrée. Genre ah, ok, il est à l'entrée. Ils sont allés se battre, ils avaient une pelle. Ah, ils ont scanné une créature, regarde, ils ont scanné une créature. Ah, j'entends un truc, c'est pas nous ça, si? Non, c'est juste les pillards. C'est proche. Je vais aller checker sur la cam. Chipano stop. Les gars, ils ont pas de talkie-walkie. Ok, ils sont en vie. Ouais, y'a trois créatures, regardez les signatures thermiques. Le quatrième point rouge là-bas, c'est la porte de sortie. Merci mon cher Bigio. Oh, ils ont le monstre proche. Ouais, ils en ont trois. Ok. Bah tu vois, je reconnais là l'endroit où on était. C'était là où il y avait les araignées de l'autre côté du... Absolument. Du saut. Ils ont chacun un loot dans les mains et ils doivent en avoir plus dans l'inventaire. C'est bon, ils sont sortis. Pushaz, FWA, merci infiniment pour le soutien mon cher, merci pour l'abonnement. Bigio, bon retour parmi nous, merci beaucoup pour les 5 mois d'abonnement, j'apprécie, merci. On est à combien de sous là? 350, c'est tout. C'est pas mal en vrai. Plus que vont rapporter les gars, on aura peut-être 500. Y'a un monstre? Ouais, allez, comme salam loulou. Ok. Ils ont trouvé un journal. Bestiary. Revenez, wesh, pourquoi vous repartez? On a trouvé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont scanné? Ils ont scanné les bugs. Bunker Spiders. Sigurd's Danger Level 20%. Scientific name. Mutinum Ficedula. Hier, Chris, il nous avait lu ça quand il avait scanné. Il a dit qu'en gros l'araignée, elle a peur quand on la surprend. Mais si on marche dans ses toiles et tout, elle se réveille. On voulait scanner les Vous avez géré, ouais, vous avez géré, j'ai le scan, ouais. Ah, nice. Eh hey, oui, monsieur. Oh, c'est quoi ça? C'est moi qui scanne. Ah. Oh, le bruit que ça fait. Ouais. Il est où, Chris? Bien joué, les gars. Et on est vivant, il arrive, je suis là. Là, ouais. Par contre là on peut... Ouais attends, l'araignée on l'avait déjà scanné je crois hier. Mais ouais, oui. On l'avait scanné hier, là. Ouais. Mais on a le cafard. On a le cafard, 86. On décolle, vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes prêts? Enfin on a le... Non, c'est le moustique qu'on a, c'est pas le cafard. Je décolle, hein. Le 357 on a là. Moi j'ai 432 moi. Ouais, on est bien. Parfait les gars. On va à la compagnie faire le deuxième quota. GG les gars. Ouais complètement je pense. Là faut aller à la compagnie hein. Et on achète du stuff à fond, tu sais. Vaut mieux qu'on capitule sur le stuff plutôt que... Ouais, de ouf. Ah mais attends, Chris, il y a aussi les planètes niveau 3 qu'on veut visiter. Tu sais. Ouais. Mais il est un peu tôt pour les visiter, je suis d'accord. Il est un peu tôt, je trouve. Moi, je dis, on fait encore le prochain quota et celui d'après, on pourrait faire les planètes niveau 3 peut-être. Ouais, je suis d'accord. Allons à la compagnie. On se garde 500 balles, tu vois, genre on se dit on se garde. Compagnie confirme. Il faut voir le vaisseau bouger et tout là. Ouais. Pas mal en fait ce petit run non plus hein. C'était très cool ouais. C'est rentable. Par contre, ouais, effectivement, le moustique il a peur de la grosse lumière. Le moustique a peur de la grosse lumière. Ah, c'est pour ça qu'il avait peur de moi. Bah oui, ça a du sens. Bah, j'allais dire ça a du sens, bof. Hein. T'as pris le truc le plus cher, j'ai capté. Non, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien ici. Je sais, c'est juste par instinct.
Et il peut arrêter de fermer la porte sur ma gueule, lui. Pour moi, c'est toi qui fermais la porte. Je pense pas qu'on pourra tout vendre d'un coup, la petite caisse de bière. J'ai vu une review Steam trop drôle, les gars. La review Steam, elle disait... tous mes amis sont morts, massacrés, j'ai vu leurs entrailles par terre et tout. Mais c'est pas grave, j'ai pu ramasser une peluche et une vis. Un truc comme ça, là. Une spatule, il a dit, c'était plus drôle le commentaire Steam. Que le panneau, on le vend ou... Mais attendez. Désolé. Fais gaffe, frère. C'était plus drôle là. Oui, mais Steam. Quand tu me dis fais gaffe, frère, c'est là où c'est le plus dangereux, ma gueule. C'est quoi ça? À côté de la porte, fais gaffe, hein. Ah, c'est l'inhaleur. On vend le panneau ou pas? Vas-y, pose tout. Oui, vends-le, au pire on prendra une pelle, c'est bon. Ah, ok. Ah, il fait peut-être plus de dégâts, en vrai, on devrait essayer. Hein. Chou. Non, je sais pas. Il pèse combien? Il pèse combien? 21. Il pèse 21, la pèse 19, vas-y. Merci mon ami. Mais il fait peut-être plus de dégâts, tu vois, je sais pas. J'y crois moyen, moi, le jeu il veut tout le temps qu'on galère là. D'accord. Vous venez vendre ou c'est comment gratuitement. Ouais, venez vendre le panneau. Hey, Toulou, y'a un mec à graille si tu veux, juste à côté là en bas à gauche. Non. Bah tiens, prends-le le panneau là. Ah, mais va le vendre. Donne. Hey, Toulou, on travaille pour toi là. J'allais commencer à l'insulter, mais j'ai peur. Les gars, il se passe quoi? Rien. Trop vite pour lui, t'inquiète. Hey, Toulou, c'est ça tes réflexes? Ouais, je suis le dieu de l'obscurité, je sais pas quoi. T'imagines l'entreprise de dire, bon, ils sont chiants, mais ils nous rapportent du pognon. De ouf, on va les tolérer jusqu'à ce qu'ils remplissent pas le quota. 568, ok. Donc là, on fait 500-600 balles, plus ou moins à l'aise, on va dire, sans aller sur les planètes. Avant de partir, on commande là, non? Oui, c'est vrai. Oui, j'ai commencé. Lourd. Ok, nice. Bah, vas-y, je vais attendre. T'as commandé quoi, Pyro? 3 lampes et 3 talkies. Tu gères, parfait, c'est exactement ce qui nous manquait. Salut, Docto. Mais... Ah, moi j'ai envie de croire. J'ai perdu deux amis, mais j'ai au moins mon poisson en plastique. Ah, ok, quelqu'un a fait la même review en français, c'est drôle. Recyclage de blagues. Triste. All of my friends have died to horrors beyond my comprehension. Attends, but at least I have 2 pickle jars and the stop sign. This is it, this is the one. That's the one I'm thinking of. T'as combien de toki? Merci, Black Blast. Moi j'ai un toki, moi. Milou, t'as combien de toki là? 0, un seul. T'as combien de lampes? C'est bon. 2. Ah, c'est bon? Ah, mais pardon, je comptais ce qu'on avait dans la base. Le téléporteur, ça a l'air stylé. Ouais, on l'a essayé, il arrive pas mal. Comment ça marche? Ça fait quoi? Ça permet de téléporter un pote à la base rapidement. Ou même plusieurs potes rapidement. Mais tu perds tous tes items, ouais. Merdi, mon gars. T'as pu jouer au jeu ou pas? J'ai vu hier, j'étais parti voir la rediff de Snaku, de Ilyes. J'ai vu qu'il a joué 3 heures, mais j'ai pas capté avec qui il a joué. Mais j'espère que t'as testé. Attends. Ah, au final, on l'a testé, on a flippé de ouf. Let's go. J'en ai parlé à Ilyes il y a 2 semaines. Il m'a dit, plus la merde ton jeu. Au final, on l'a testé, on a flippé de ouf. J'adore, Merdi. J'avais pas lu le message. Et ouais, j'ai regardé la rediff du coup ce matin, juste pour voir si Ilyes avait joué. J'ai vu qu'il a joué 3 heures. Je me suis dit, lourd. Il a capté, c'est quoi le délire s'il a joué 3 heures. Puis j'ai vu, il portait mon t-shirt en plus. J'étais trop content. Salut Karim. Bonsoir. Les gars. Moi je pense qu'il faut investir un peu dans la mobilité là, genre des petites échelles, ça pourrait être pas mal hein. Ouais, go. En vrai, faudrait qu'on... Mais ça aiderait à quel moment, tu vois, genre les échelles? Bah on sait pas encore ce qui nous attend au lune niveau 3 hein. Tu vois. En test, et surtout pour tester en vrai. En vrai, ouais, oui, on teste, ouais, vas-y, je suis chaud, on teste hein. De toute façon, vaut mieux qu'on achète du matos, tu vois, à balle. Vaut mieux acheter du matos, en avoir un peu trop, tu vois. Qu'on passe pas de un run écho si on meurt, tu vois. Exactement. Mais oui, ça sert à rien en vrai d'écho là. En fait, l'argent qu'on a, ça sert à rien de l'écho, à part pour aller sur les lunes 3, quoi. Vaut mieux qu'on blade un peu de tout, de lampe, de... T'en as pris combien des échelles? Une seule. Et 60 balles. Oh, waouh, regarde. Oh, tu l'as récupéré.
Waouh, ok, stylé. Et, oh. Ah, tu penses que ça fait un pont ou quoi? Mais oui, ça fait les ponts pour les... Oh. Stylé, stylé, je kiffe. C'est incroyable. C'est Death Stranding, mais... Je te jure. Oh là là. Norman Reedus, Nabil Lahrachoué. Ok, c'est pas mal. Ça pèse combien? Bonne question. Rien, elle pèse... Non mais c'est bien, elle pèse rien. Ah ouais? Ouais. C'est moi ou elle pèse rien? Ok, bug. Bug en vrai. Je sais pas si c'est un bug ou volontaire, parce que me semble que c'est juste une valeur là. Il l'aurait corrigé si c'était un bug. Ouais, point, c'est difficile. Elle vaut rien, elle vaut rien. Ouais. Enfin, elle pèse rien. Elle pèse rien, ouais, ouais. Bah vu qu'on a des sous, est-ce que vous voulez pas qu'on teste le zap gun aussi? Moi je pense que c'est bon délire, hein. Moi je pense c'est quoi d'autre là? C'est ça, en fait, vaut mieux qu'on achète du matos. J'ai acheté. Parce que si on commence à faire des niveaux 2 et tout, on peut pas les faire en écho, tu vois, genre c'est pas possible. De ouf, de ouf. Mec, moi si je vois un monstre, genre les libellules et tout, je les électrocute. Et des gros coups de pelle là. Ce serait cool qu'on s'en achète deux plus tard, un deuxième zap gun pour. Tu sais, pour les deux équipes. Vas-y, teste-le sur moi. Tu scannes les menaces. Ça m'a pas détecté, bizarre. Scan. Ouais. Je sais pas comment ça se fait que des fois ça détecte et d'autres fois non. Ah, ah. Ouais, là je peux plus bouger, regardez. Ah, ah ouais, ça c'est okay, moi qui okay. bouge. Ça c'est moi ah qui bouge. Ouais. Et tu dois le garder au milieu de l'écran. Okay, d'accord, incroyable. Ouais, ouais, j'ai vu. Donne, vu, je vais le remontrer. Donne, je vais le montrer. Ça te saoule. Ça te saoule. Viens, viens. Regardez, je scanne. Je trouve une cible et là je dois garder au milieu de l'écran. Le plus longtemps possible. Oh t'as vu, c'est tu long, peux, hein, c'est long, tu peux pas vrai. Bouger. Ouais. C'est pas mal, ouais. Ça immobilise c'est pas mal, la ouais. cible. Sachant qu'il y a des mecs qui vont extrêmement vite, je pense qu'on l'a sous-estimé. Parce que hier on l'a testé 5 minutes seconde, on était en mode nul. Mais franchement, contre les monstres qui. Wesh, Ryan, ton. Ton gaffe, on entend ton numéro de téléphone, on entend ton adresse, ton Ryan, numéro de carte de crédit. C'est un truc de ouf. Mal, libellule. Wouah, stylé, ça marche ici aussi, cool. Ah merde, des fois c'est... Le mec, on a fait ça hier. On décolle les gars. Allez, go. Quand vous voulez. Yalla. Yalla, bina, yalla. C'est dans le vaisseau seulement que ma caméra elle déconne comme ça avec le pistolet, j'ai l'impression. Salut Talle, comment ça va? Vous voulez faire quoi les gars? On part tous ou on en laisse un dans le vaisseau là? Honnêtement, si on part sur une planète niveau 2, idéalement faudrait quelqu'un au vaisseau. Puis moi, je suis chaud pour rester à l'écran cette fois-ci. Parce que ça permettrait aux gens qui regardent de voir le gameplay à l'écran. Vas-y, je suis chaud pour vous montrer 100%. Le gameplay à l'écran. Allez, on doit faire 312 maintenant. Ah lourd, on a encore une planète les gars. Une planète niveau 2 sans conditions météo terribles. L'éclipse donc, la planète il fait nuit, les monstres sont hyper excités. Stormy, il y a des orages qui tapent sur toi si t'as un item métallique et qui te one shot, il explose. Foggy, c'est juste le brouillard, tu vois pas à 1 mètre. Et il y a inondé aussi hein, ouais. Alors les gars, moi je prends lampe et torpille et je fais le lead dans le truc. Il en faut un à l'appel ou tu veux faire le lead toi Pépé comme tu le sens? Pépé Non, c'est bon. Pépé, hack le zap. Non, ouais. Je peux prendre une pelle. Pépé, non, prends le zap, c'est mieux. Okay. Tu devrais prendre le zap et laisser l'appel à Ryan. Ouais. Test sur moi, entraîne-toi sur moi. Ouais, et entraîne-toi sur moi. Ouais, ça a du mal à scanner les potes, ça marche mieux sur les ennemis. Ah, mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Faut que tu gardes le plus longtemps possible au milieu de l'écran, hein, t'as capté. Ah oui, voilà, puis là. Non, mais ça bug dans le vaisseau, Pyro, ça fait ça que dans le. Ça te vise le ciel que dans le vaisseau. Ah ok. Dans le vaisseau genre la caméra elle fuck ah, up. C'est bon. Je peux... Eh les monstres ils vont être immobilisés. Et il faut que le mec à l'appel il soit réactif. Ça se décharge de ouf. Ryan t'es là ou pas? On doit y aller là. Pas mal. Vous êtes chaud pour y aller à deux les gars? Il vous rejoint plus tard? Vous lui laissez des items à la porte? Je l'enverrai en récupération, tu sais. Laissez les items à l'extérieur. Vas-y, ouais, on va faire ça. Je l'enverrai en récupération, ouais. Attends, faut qu'on prenne une pelle quand même, du coup. Oui. Ouais. Parce que si c'est mon stun et ça sert à rien. Faut que ce soit toi qui prenne la pelle alors. Ouais, je vais prendre la pelle aussi. On prend deux lampes. Je pense qu'on en prend deux, non? Tu le sens, ouais. Ouais, vas-y, j'en prends une aussi, vas-y. Ça, de toute façon, on va le laisser à l'entrée. Et si jamais on est dans la merde pour revenir, on l'utilisera, tu vois.
Mais on sera pour la merde à quel moment pour revenir, tu vois, moi je vois pas à quoi ça va nous servir, tu vois. Bon bah c'est pas grave alors. Je sais pas. Allez. Je sais pas. On y va? Ouais vas-y, je suis chaud. Après y'a y a peut-être des endroits, téléphone. Ray, ton téléphone. Ray, Ray, ton téléphone. Ça va, ça va. Ouais. Ça va son adresse, tu vas voir. Mais... Monsieur, ouais. Voici votre message pour le 514-320-7748. À l'attention de Ryan, à l'adresse 3702, René Lévesque. Allez les gars, ça atterrit. Vas-y, go. Okay, il est là. Ah lourd, la synchro de ouf. Re-Ryan. Ryan, là, c'est bon. Ça part en mission, prends go ça, go go. Prends ça, Ray, prends ça. Prends l'appel. Ah, ok. Prends un talkie aussi, prends un talkie. Je l'ai pas, faut que tu le prennes dans l'armoire. Ou alors y'en a plus peut-être, mais rejoins les gars. Non, c'est bon, y'en a. Lourd. Vas-y, go. Radio check. Ouais, ça marche. Il faut que. Il faut que Pyro lead, c'est lui qui a le pistolet. Bien pris. Ryan, t'es un peu un électron libre parce que ils sont deux puis t'es seul. Prends pas trop de risques, tu peux aller avec eux, mais c'est bien si tu te sépares d'eux aussi. Alpha Papa prend le lead. Shakshuka, 10-4. J'avais envie de le dire. Je suis pas loin, je suis derrière vous. Tu sais ce qui manque au gameplay cam? Pas ce qui manque, hein, mais c'est pas prévu dans le jeu, c'est juste équilibrage. Mais ça aurait été cool qu'on ait la caméra comme ça des potes. Comme sur Ready or Not, tu sais, une caméra embarquée des potes. Ou une caméra troisième personne là-bas, parce qu'on a la caméra à l'intérieur du vaisseau. Ça aurait été trop cool d'avoir deux autres caméras. Peut-être qu'on dirait qu'il y a de la place pour. Je sais pas. Les gars, j'ai appris encore une fois, je vous l'avais dit tout à l'heure, que le développeur de ce jeu avait 21 ans. C'est un truc de ouf. Allahi Berk, c'est un génie. Son jeu, il est en train de gigabuzzer. C'est un truc de ouf. Je vous dirai quand je vois un truc intéressant. Pyro, c'est comment que tu ouvrais les portes que les joueurs voient sur l'écran? Avec l'ordi. Ah, lourd, je m'en serais pas douté. Mais genre, c'est quoi la démarche? Je crois que ça, si tu regardes ce qui est écrit sur l'écran, tu fais X, Y, tout, okay. J'ai oublié. Ok, sur la droite, Pyro, sur ta droite. Ouais, là, continuez. Voilà, Pyro, à droite encore. À droite, à la prochaine aussi, il y a un loot en fait vers lequel je vous mène. Droite. Non, pardon, là vous tournez en rond, revenez sur vous, mais je veux dire continuez sur le couloir, excusez-moi. La prochaine droite, là. Vous avez un loot tout à droite au fond. Allez, non mais rentrez. On est, la porte est fermée. Ah ok, mais comment je l'ouvre du coup? Y9. Ok. Elle est rouge, je pense, je peux juste pas interagir avec, mais... Est-ce qu'il faut que je l'écrive sur l'ordi, c'est ça? Ouais, je vous ai ouvert la porte, lourd, merci. Ok, continue tout droit, ne revenez pas sur vos pas. Allez au fond, à droite, il y a une grande salle au fond. On est d'accord, il y avait un autre accès. Hein. Tu peux checker sur moi s'il y a quoi que ce soit, je vais rien trouver. Attends deux secondes, Pyro, à ta droite, au fond de la salle, et encore à droite, tu as un loot. Pas dans la salle, mais à droite. À droite, Pyro. Non, tu pars trop loin, là, il y avait un loot. Ok, mais il y a un loot sur la passerelle aussi si vous y allez au fond à gauche, hein. Je parlais pas de ça, Pyro, ce convoyeur là, mais tu peux y aller. Ah si, c'est bon, tu l'as. Il y a un loot aussi là. Parfait. Je vais aller voir Ryan. Ryan. Alors, Pépé n'a pas de toki, hein. Pépé n'a pas de toki, hein. Ah merde, c'est pour ça qu'il a une latence. Ok. Damn. Ryan, il y a rien comme loot là où t'es. Ah monstre, Ryan, barre-toi, il y a un monstre. Cours, Ryan. Il vient de rentrer par là. Mais on dirait un blob, comment il est lent. Ça va encore. Oh, c'était un blob, mais il y a du loot. Va à droite au fond. Fond. Ah non, c'est bon. À gauche, les gars sont là à gauche. Non, l'autre gauche. Bah, y'a un blob. Ok, je suis sur toi, Chris. Continue tout droit. Je vais voir s'il y a pas un passage sur ta gauche là. Je vois pas de loot en tout cas sur ton étage, ni de monstre. Là, je viens de passer une passage. À ta gauche, là, y'a une porte. Ah, y'a du loot. Continue tout droit, au fond de là où tu vises. Faut que tu traverses la porte, aille au fond, tout droit devant toi là, ouais.
Juste là dans la passerelle il y a un loot. Et après tu rentres dans une salle, il y a encore du loot. Appelle les gars pour qu'ils viennent avec toi. Il est 14h, dis-leur il est 14h. Dernier run. On a peut-être un monstre pas loin. Il y a une sortie d'urgence à côté, Chris. Il y a une sortie d'urgence pas loin, Chris. Vous avez raté un loot, Chris, c'était volontaire? Et il y a un loot là où vous êtes. Bah, il retourne le chercher, là. On l'a vu. Ok, bah, t'as une porte de sortie, tu la vois, hein. Elle est juste dans la salle quand t'es rentré. Elle est là où. À ta droite. Là où tu vises, ouais. Non. Ah, il y a du loot à ta droite si tu rentres la porte, là, à droite. Il y a du loot. Rentre, à droite, au fond de la passerelle. Et après, vous repartez de là, les gars, ça y est, ça fait trop longtemps. Leur dernier loot, il est juste là à tes pieds. Merci mon Shaft, merci beaucoup pour 30 mois d'abonnement. Ok les gars, on rentre au bercail. Elle est où ta sortie les gars? Derrière, derrière, reviens sur tes pas, reviens sur tes pas. Non, revenez, revenez de ouf. Chris, reviens sur tes pas. Ah, tu dis à Pyro, je pense. À gauche. Ok, elle est dans cette salle à gauche là, juste à gauche là. Tu la vois pas? Il y a une porte rouge. Non, pardon, continue au fond à gauche. Ouais. Normalement, là, juste là en face de toi, vous la voyez, non? Non? Stop, 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 stop. C'est peut-être juste une porte fermée en fait, c'est pas une porte de sortie, hein. Tu l'aurais vu, elle est collée à ce mur-là, oui, ce mur-là. Alors j'ai les bras chargés, je peux pas parler, y a pas de porte ici. Ok, barre-toi par là où t'es rentré. Pas de signature thermique pour l'instant, Pyro va bien. Pilou, moi je suis perdu, hein, je vais avoir besoin d'aide. Ok, va à ta droite, monte la passerelle. Monte la passerelle, monte la passerelle, rentre dans cette pièce, va au fond à gauche. Cours, cours, cours. Après, va au fond du couloir, fond de la passerelle, à gauche. À gauche, et à ta droite, il y aura un loot. À ta droite, après, là, il y a un loot à droite, à droite, à droite. Tu l'ignores? Tu l'as raté, c'était avant. Il y a deux loots là où t'es. T'es très proche, des gars, parle-leur. Vous devez rentrer, les gars, il est tard. 16h30, les gars, 16h30, les gars. 16h30. Ryan, cul-de-sac, c'est pas par là. Chris est mort, Pyro est mort, y'a plus que toi, y'a plus que toi gros, y'a plus que toi. Guide-moi, 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 guide-moi. J'ai que ton étage. Ah c'est bon, stop, stop, là où t'es? T'es sur le bon étage là, à ta droite. À ta droite y'a du... Non, non, là tu repars sur tes chemins, frère, tu repars faire le chemin que t'as déjà fait. Parce qu'il y a plusieurs étages mais je ne les vois que quand t'es au bon étage. Change d'étage. Là, ok, là t'es au bon étage, là t'es au bon étage. C'est là que tu sors, à ta... derrière toi. C'est derrière toi l'entrée ou la sortie. Ok, bah, je regarde, il y a un monstre. Donc faut que j'aille de l'autre côté. Je vais décoller Ryan, hein, dans pas long. Donc faut que tu te presses là. Ok, là il y a un monstre en face. Pile en face de toi, il y a un monstre, c'est un blob peut-être. Cool. Continue, t'as un item à tes pieds. Salut Snap, on a recommencé une nouvelle partie. On est sur le troisième quota. C'est tout Snapcap. On n'a pas encore fait les lunes de niveau 3. Mon Snapcap. Je décolle, il y a un monstre. Hein. Adieu Ryan, je t'aime. C'est pas personnel. Je vais pas perdre tout l'argent. Mais en fait, on n'a pas d'argent. J'étais si proche de l'exit. Mais il fait nuit, il serait jamais rendu jusqu'ici, on est d'accord. Hein. On n'a pas d'argent quoi qu'il arrive. On aurait, honnêtement, j'aurais pu l'attendre, je viens de réaliser. Je viens de réaliser, Miskin, j'aurais pu l'attendre, mais j'avais trop peur. Aïe, aïe, aïe. C'est cool, on a pas d'argent de toute façon. C'est le premier jour du quota. Chris était le plus profitable, le pauvre. Ouais. Il est parti sans moi. Il est parti, il est parti, il est parti. Ah, ok, d'accord. Ah ouais. Heureux. Ah ouais. Le zap de merde, plus jamais on l'achète. Mec, le 400 zapper, balles. Mais ça pue la merde, frère. C'est vrai. Le zapper, mec, pue la merde. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 400 balles en plus, hein. 400 balles en plus. Ryan, ça va? Je suis traumatisé. Allô. Et déçu à la fois. Allô, on t'entend pas. Oui, on t'entend, Chris. Le zapper, plus jamais, hein. Non, non, j'ai capté, 100% reçu. 400 balles de perdu, mais au moins on a testé. Pépé, il vise le monstre, je suis derrière lui. Pépé, il vise le monstre, je suis derrière lui. Ok, d'accord. Il en a rien à foutre. Mais si, je t'entends, je veux pas t'interrompre, what the fuck. Mais quoi? Comment ça, j'ai rien à foutre? Qu'est-ce que tu dis? Je t'écoute. Y'a une desync, c'est pas possible. Mais quoi? Je t'écoute là, je t'écoutais. Pyro était derrière toi et tu l'as zappé, c'est ça?
Ah, putain, mais ouah, tu lagues de ouf en fait. J'ai de la latence de nouveau, les gars. Je m'en doute, ouais, ouais. Oui, c'est bon, on décolle et on te réinvite, y'a pas de stress. Je pense pas que je puisse t'inviter là. Hein. Vas-y, rejoins. C'est trop drôle. Parce que quand Chris devient confus comme ça, c'est qu'il a une desync à cause de sa connexion. Ouais. Vous vous rappelez quand ça nous a fait ça avant-hier en live là? On se parlait, puis Chris comprenait pas mes skins. Mais c'est pas qu'il comprenait pas, c'est juste qu'il avait une latence de ouf. Ouais. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ouais, 5 sur 5. Ouais, on est là. Mais j'ai entendu tout ce que tu disais. La dernière fois, les gars. Ouais, même t'inquiète, j'ai tout capté. Ouais. Crapouette, merci. Allô. 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 Ouais. Ah là, Tienarani. Ouais, ça a l'air bien là. Parfait, bon bah les gars, on a perdu un jour, il faut qu'on assure pour les deux autres. Hein. Surtout pour le prochain en fait. Donc, on t'expliquait le zapper comment c'est nul. Oui, il est derrière moi à 5 mètres. Je veux zap le monstre devant moi, mec, ça fait autolock sur Chris et je le zappe. C'est un truc de fou, hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un bug, hein. J'ai l'impression que c'est un gros bug, ça. C'est pas supposé fonctionner comme ça. C'est comme quand on est dans le vaisseau et là, ça vise le plafond quand tu tires avec. Ok, les gars, on prend deux lampes, on y va. J'en ai pris une. C'est une planète niveau 1, c'est une lune niveau 1. Yerham Waldek, arrête de manger dans ton micro, tu vas pas le refaire, hein. C'est qui mange là? Frère, c'est tu nous as niqué une vidéo la dernière fois là en mangeant. Genre j'ai 800 commentaires, c'est juste j'ai arrêté de regarder la vidéo parce que l'autre il mange dans son micro, refais pas s'il te plaît. Je pensais vraiment que tu trollais tellement tu mangeais de façon comique, hein. Tu manges vraiment comme ça? C'était vraiment le bruit de comment tu manges ça? Tu manges vraiment comme ça? C'était pas un dessin animé que tu regardais ça? Je croque une pomme, genre une pomme ça fait pas de bruit. Mais croque, attends, mais croque ta pomme pour voir dans ton micro comme tu fais. Go. Mais j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, je te jure. Mec, je fais, moi, quand je croque une pomme, je croque 2-3 crocs. Saute, saute, non, mais je te comprends, saute, moi saute, aussi. Saute, saute, saute. Ils ont talent, frère, la batterie. Ouais, t'as raison. Aïe, aïe, aïe. Saute, c'était fucking drôle. Allez, on trace Chris parce que c'est une lune niveau 1, ça fait pas trop peur. Vas-y, moi j'attends PP là, je pars à gauche là. J'ai une clé, une TR, courte et forte. Minecraft hit apple.mp3. Ça c'est Pyro quand il se fait mal. Pardon. Ok. Tu me vois, Pépé? Pas du tout. Ah oui. Je suis avec vous parce que c'est coincé de l'autre côté. Ok, on va explorer. Ryan est sur la droite, il a une exit. Ça roule. Ok, j'arrive, t'es où? Parle. Ok, je suis pas loin là. Mais il y a un mur entre nous là. Chantier Ryan. Ah! Les gars, ya. Je t'allume. Il a peur de la lumière. What the fuck? C'est pas vrai. Ah Pyro, on a perdu Chris, viens avec moi, il y a du loot Pyro, pitié viens. Il y a le réacteur, je veux le prendre, suis ma voix. Ya rayh win msafer trouh ta'ya w twelli tananana. Chhal ndmou l'abad lghaflin qablek w qabli. Ya el babour ya mon amour, kharjni mal. Viens, suis ma voix. Je sais que t'es un monstre. Mais viens looter le réacteur avec moi s'il te plaît. Bon, tu veux pas prendre le réacteur, c'est ça? Il est sur moi le monstre, tu m'entends? J'espère il va te graille, te kidnapper. Il a peur de la lumière, viens. Il est... Arroi. Prends le réacteur, on se casse avec. Vite, il reste 50% de batterie. Il a peur de nos lampes, laisse l'allumer. Ah, tu m'en peux pas laisser l'allumer. Allez.
Ouais, laisse ta lampe allumée, exactement. Comme ça, il a peur. Mais il a quand même Ken cri. Ah, il est là, ce bâtard. Faut juste. Belek, 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 Belek. Ouais, Belek, Belek. Belek, Bibi, Belek. Il est devant la porte. Il attend, frère, y'a pas de c'est bon. Grand cul, l'architecte. Ouais, Belek, Belek. Belek, Habibi, Belek. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي وهران وهران روحتي خسارة حاربوا منك ناس شطارة خلاص il a plus faim le monstre. Il a graille là. Et vas-y, j'en ai marre. J'ai trop peur les gars, j'ai trop peur. Les gars, j'ai trop peur. J'ai trop peur. On a tout perdu maintenant. Je sais, mais j'ai trop peur. Par contre, genre, ouais, il a peur de la lumière et tout. Rien du tout. Mais il a peur de la lumière, mais pas indéfiniment quoi. Un peu. Mec, je l'ai face to face, lumière dans son pif. Rien foutre. Mais clairement, il en a peur, je vous jure. En tout cas, on la scanne, il y a peut-être des infos. Ouais, je regarde. Les gars, on a un jour pour faire 200 balles, sinon game over. Hein. Bah super, en plus l'armoire est vide là. Non, il y a un jour pour faire 300 balles. Ouais. 312 balles, ouais. Bah on a perdu, hein, game over. Non, t'inquiète, va dans une. Vas-y. Une niveau 2. C'est. Ouais. Bracken aka Flowerman, l'homme fleur. Ouais. Tu recommandes des lampes? It was flower. Scientific name Repax folium. There is a debate on the genus to which the bracken belongs. It is bipedal vertebrate. Who cares? This is believed to be the intimidation. Attends. Alors, leur but, apparemment, c'est l'intimidation. Mais on ne sait pas beaucoup de choses à leur sujet. Eh ben, il nous a bien intimidés. Wow, super. It exhibits aggression. High aggression even when unprovoked. Yet it quickly backs off when confronted. En fait, c'est quand on le confronte, il a peur. Peut-être qu'il faut lui crier dessus, tu sais. De quoi? Bah ça dit, il recule quand on le confronte, peut-être quand on lui gueule dessus. Ouais, je me Ah par contre, attends, dans les yeux. Mais justement, Pépé, il a bien crié, hein, il a mais pas ça crié, hein. Dit que ils sont, enfin ils montrent, ils augmentent leur hostilité lorsqu'ils sont dans un coin, genre lorsqu'ils sont coincés. Ou alors, lorsqu'on les regarde pendant trop longtemps, ils deviennent hostiles. Ok, d'accord, ok. Donc pour ça, c'est recommandé de le surveiller, de garder un œil dessus, mais pas de faire un concours de « je te regarde dans les yeux ». Ok, d'accord. Donc il faut le faire reculer, après tu le regardes plus, mais si tu le fixes dans les yeux, il te ken. Ok. Ah, ouais. Et on en a d'autres encore, non? D'autres monstres scannés? Ouais. Je vais te dire. C'est trop dur. Non, les autres, c'était l'araignée, juste. Et il y avait des bugs. Des... Non, on a... Oui, le moustique, il fait rien. Ouais, le bug, les... 0% de danger, ça dit. Ouais, parce qu'il a. Parce que c'est la lumière, il a peur de la lumière, les gars. Les gars, je croise en vous. Je vous pense tous capables d'y aller et de sortir 300 balles. On recommande pas? Des lampes? On peut en vrai, on peut. Ouais, mais on a pas de sous. Ah, on a plus de sous? Mm-mm. Oh shit. Donc là, écoute. On peut prendre une normale? Peut-être, si. On fera pas le feu, je pense. Bah, le truc c'est que, est-ce qu'on veut vraiment attendre une lampe, tu vois? Est-ce qu'on veut vraiment perdre la première minute à attendre une lampe? Moi ce que je dis... Ouais, comme tu veux. Moi ce que je dis c'est... Les gars, on fait comme d'habitude, on y va super méthodique, mais on tarde pas là. Si on a chacun deux items, ça pourrait être... En fait, comptez, notre objectif c'est chaque équipe doit sortir 160. Si vous avez 160, okay. Vous sortez. Ok. Si ok, vous... ça marche. Si vous les faites super vite, continuez, tu vois. Vous êtes prêts? Non. Let's go. Oui, on est prêt, chef. Aïe. C'est qui tout double là? Soit on s'en sort, soit c'est fini. Je te jure, Seven. Soiremente. Besame.
Allez, tout droit la team. Diagonale gauche, diagonale gauche. Le relou. Non, non, tout droit. Je rigole, je rigole. Ah, ok. Je veux vraiment pas mourir. Je veux vraiment pas mourir. Regin, comment ça va? Ça fait longtemps. La vieille Regin. La vieille Regin. Y'a pas une petite ruche là aussi là qui pourrait nous mettre. Oh, la ruche, elle nous sauverait, c'est vrai. J'avais oublié. Ah non. Mais cette planète, elle a des ruches. Je vais aller explorer vite fait. Non, mais je veux pas perdre de temps. Mais en vrai, de vrai, ça pourrait nous clutch, hein, une ruche. Juste une minute. Même pas une minute, 30 secondes. Parce que no joke, c'est la moitié de notre payday, la ruche. Non, elle est pas trop, elle est pas aussi loin que ça. De toute façon, aussi loin que ça, c'est impossible à ramener à la base. Moi, je suis à 10 heures de jeu là. J'ai 100, bilou, j'ai 130 sur. Tu gères. Je vais faire la mule, les gars, je vais faire la mule. Je vais faire la mule, ramenez-moi vos items. En vrai de vrai, là, je serais plus utile à faire la mule assurée que. Bah, ça permettrait de laisser plus de temps aux gars. Les mains libres, les mains légères. Askip, écoute, on est au troisième côté. On n'a pas beaucoup avancé par rapport à la vidéo YouTube épisode 2, non. Là, on tourne l'épisode 3 en ce moment. Mais je veux dire, par là, on a recommencé une nouvelle game. Et on n'a pas encore visité de nouvelles lunes. On n'a pas visité les lunes niveau 3. Donc non, t'as pas raté grand chose par rapport à la précédente vidéo YouTube. Zut alors, je peux pas monter hands full, ok. Il est 11h. En fait, ah, t'es gentil. Merci beaucoup, Hérétique. J'ai hâte pour vous. Franchement, vous allez kiffer. C'est un sacré jeu à découvrir avec ses potes. Vas-y, je fais le pont. Laisse. Tu reviens pour quoi? Tiens. Ok. Mais Ryan, t'aurais pu laisser ça devant la porte, frérot. Va looter, s'il te plaît. Bah, au final, on a. Là, il y a peut-être 200 déjà au total. Eux, je crois, ils ont encore un peu de stuff. Je vais aller les aider. Là. Vas-y, tu gères. Merci. Mais merci, on a Ryan, bientôt fini, normalement. Ok. Vas-y, you the boss. Merci, Ryan. Merci Ryan. Je suis juste stressé, je veux pas l'engueuler. Ah, ça fait plaisir, Erasia. Liberto a react à ma vidéo, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. J'adore ça, merci pour l'info. Ça me fait trop plaisir. Les clés, ça a une valeur 10 balles, c'est pas hyper rentable, mais c'est mieux que rien. Il y avait une autre caisse à aller récupérer, hein. Yes. Je leur fais confiance. Je sais pas, Hamid, j'ai que 10 heures de jeu et je l'ai pas fini, mais écoutez, n'importe quoi entre 10 et 30 heures de jeu, là. N'importe quoi entre 10 et 30 heures de jeu. Moi, j'ai 10 heures de jeu. Je pense que d'ici un autre 10 heures, on en a fait le tour. C'est ça. J'ai vu des mecs à 20, 25 heures, 30 heures de jeu. Je pense pas qu'on ira bien. Ah, il y avait un gars à 80 heures hier, damn. Ok. Et c'est ça, c'est pour ça que je vais même pas donner d'estimation. Mais franchement... Je trouve que c'est même pas pertinent la durée de vie du jeu, dans le sens où... Non, c'est pas vrai, la durée de vie d'un jeu est toujours pertinente, je retire ce que j'ai dit. Non, ce que je veux dire plutôt, c'est que... Le jeu coûte 10 balles, l'expérience de jeu est complètement unique, et elle en vaut absolument la peine. Genre, c'est une expérience, ce jeu. Dans le grand schéma des choses, si j'avais fini ce jeu après 5 heures, je vous l'aurais quand même recommandé, c'est là où je veux en venir. Si ce jeu, on avait fini après les deux premières vidéos YouTube, je vous aurais quand même dit, les gars... C'est une expérience de ouf et pour son prix ça en vaut la peine. Tu vois. Mais ouais, c'est ça. Le jeu est en accès anticipé pendant 6 mois, le développeur il dit à peu près. Mais honnêtement, moi j'ai une théorie selon laquelle le jeu est en train d'avoir un énorme succès. Et il va en avoir un encore plus gros succès quand tous les youtubeurs vont se réveiller, commencer à faire des vidéos fun et délire dessus. Les streamers vont faire des lives et tout. Là le jeu, hier, ça fait 4 jours que le jeu bat son record de joueurs. Et je pense, j'espère qu'il va continuer sur cette tendance. Genre j'aimerais que ce jeu, j'espère que ce jeu aura le succès de Phasmophobia et d'autres jeux comme ça. Comme ça,
Eh bien, au lieu de faire juste 6 mois d'accès anticipé, de rajouter 2, 3, 4 nouvelles lunes, le mec, il va peut-être y voir un énorme potentiel, un gros jeu, une grosse communauté, et il va bosser sur le jeu plusieurs années. Bien, ça, c'est ma théorie. On est bien, ça y est, on a le cash, les gars. Vous êtes beau. Vous avez le cash, vous êtes beau. Je vous ai jamais douté. Mm-hmm. Non, mais no joke, je disais que je vous en pensais capable. C'était pas sarcastique pour une fois. Par contre, en vrai, si on veut se refaire, on sait où est le réacteur, quoi. Ah putain, quelqu'un veut pas. Bah, je vais me sacrifier, les gars. Partez. Mais vous, je sais pas où il est. Faut que quelqu'un aille le chercher, franchement. Et on se barre s'il meurt. Ah, mais la pénalité, bah, non. Tiens, je peux aller le chercher, moi. Non, mais Pyro, la pénalité, tu reviendras pas en vie. La pénalité, les gars. La pénalité, ouais. Par contre, Pépé, il a un lingot d'or là. Ah, mais c'est bon, alors c'est bon. Non, non, on va pas chercher le réacteur si t'as un lingot d'or, c'est 180. Et là, Pépé. Là, avec plaisir, Pinto, c'est mon taf. Bah, honnêtement, Dizil, comme je le disais, avec le reste de ma théorie, si le jeu buzz comme je l'espère, il y a de fortes chances qu'il soit sur console plus tard, qu'on lui propose un portage console. Regarde, c'est ça dont je parle. Non, mais parlez, les gars, ignorez-moi, parlez. Il y a un golem, On part, fermez la porte, on décolle. Décolle. Regardez. C'est ce dont je parle, les stats là, ça fait juste 2 semaines. 12 000 joueurs, c'est énorme. C'est énorme, énorme. 350, je vois. 12 000 joueurs simultanés, c'est énorme. Mais je pense que ça va monter. Oh, je suis sûr que Phasmophobia est un incroyable jeu, mais j'ai pas accroché. Perso, j'ai joué 3-4 heures, c'est pas trop mon délire là, c'est complètement différent. Enfin... Les employés encore, ok. Ok, super, le mec il ramène des parts d'or quoi. Bah, du coup, on va mettre au fond de vous. C'est quoi de... Bravo les gars. Je vais la garder que pour moi. Ouais, bien rêve. Ah, la barre en or qui cali. Ouais. Bravo. On a eu de la chance là-dessus. J'arrive pas à tout scanner, c'est pas grave. C'était 500 balles à peu près. Hein. Allez, venez, on troll pas. Ouais, on l'a fait les chaînes. Allume la lumière, s'il te plaît. La clé, on pourrait la garder. Mais c'est. Non, il y en a tout le temps, ça sert à rien. C'est juste encombrant pour rien. Ça sert à rien de les vendre en vrai. Ouais, c'est pour 10 balles, ok, on la garde. Ok. Et en vrai, moi j'en emmène toujours une. Ouais, c'est insupportable. La clé, on vend ou pas ? On vient de dire qu'on la gardait, ouais. J'ai pas entendu, ma bonne. Non, t'inquiète. Je parlais même pas d'argent quand je disais 12 000 joueurs, c'est énorme. Je voulais plutôt dire que c'est le rêve de tous les développeurs d'avoir ne serait-ce que 1000 joueurs simultanés sur leur jeu. 12 000, c'est un buzz. Parce que tu rentres déjà, je pense, tout en bas, mais tu rentres quand même dans le top 100 des jeux Steam. Ouais, regarde. Ça, c'est les jeux les plus joués sur Steam. Et à 12 000 joueurs, tu es dedans. C'est un génie, ce mec. Bon, il est pas là tout de suite le jeu, mais ouais, tu rentres dans le top 100 des jeux. C'est un push-to-talk dans le jeu ou quoi? Ben non, c'est mieux sans le push-to-talk là, Khara. Ah, je sais pas. Tout. On peut même plus parler. Bon les gars, GG. GG. On a combien là ? 449. Ouais, 429. On achète des lampes ? Ouais, putain, GG les gars. Et des talkies ? GG les gars. 3 talkies, ouais, 3 lampes. Quelqu'un a une lampe sur lui ou pas ? Nope. Ouais, donc, on a une. Ok, donc 3 lampes. Et un talkie. Ok. Bah en fait on prend 3 lampes, 3 talkies et je pense qu'on emmène 2 lampes et 2 talkies, tu vois, genre comme ça au moins on est... Et est-ce qu'on prendrait une pelle aussi ou pas? Ok. La livraison arrive, hein. Oui. Permanente dans quel sens, Garim? Permanente dans ta partie, oui. Quand tu meurs, c'est un roguelite. Enfin, c'est. Quand tu perds le quota là, c'est même plus un roguelite, c'est un roguelike. Dans le sens où tu n'es pas puni pour la mort en mission. T'as une pénalité, mais tu perds pas quand tu meurs dans la mission. Mais si jamais tu remplis pas le quota, c'est la fin de la partie, c'est game over. Donc, c'est roguelite et roguelike, un peu le jeu. C'est les deux. C'est roguelite en mission, encore une fois, parce que si tu meurs après, tu reviens à la vie. Mais si jamais. Tu fais pas le quota, ça c'est fin de la partie tout court. Et tu restes à 0.
Quoique, tu me mets un doute. En fait, tu sais quoi? J'ai un souvenir maintenant que... Ah, je sais plus. Quand on finit... Non, quand on perd tout. On perd tout, tout, tout. Et on recommence parti à zéro, ouais. Si on perd le quota... Si le quota arrive à zéro jour et qu'on n'a pas rempli... Game over, partie supprimée. Il veut se faire grind. Depuis tout à l'heure, il taunte. Il teste ses réflexes. Vous avez pris les deux livraisons? Il y en a qu'une. Hein? La deuxième arrive alors? Ouais, il y a 4 lampes et 3 talkies là. C'est bon? Yes. Il y a 2 pelles par contre. Ah, il y a quoi? Pas de pelles. Mais je pense que. Ok, ouais, pardon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Non, on est bien. C'est bon, on a tout. Je pense qu'on a tout. Parfait. On appelle talkie, on est bien là. On décolle, rentrez. Malheureusement, on a dû abandonner l'échelle avec Chris là. On s'est fait pourchasser un moment. Ah, y'a pas de soucis. Donc on l'a mise et j'ai pas eu le temps de la récupérer quoi. Y'a pas de soucis. Ouais, c'est normal qu'il y ait pratique, hein, franchement ça te permet de traverser les trous et tout. C'est vrai, hein, ça j'y avais pas pensé, mais les... quand vous disiez pont, moi j'imaginais un pont dehors et tout, mais dans le donjon, là où il y a pas les... Là où il y a les petites plaques de merde, là, oui, je vois, Les barres là, ouais. Moons. Surpuissant. Ok les gars, vu que c'est le premier jour, on peut se permettre de prendre du risque. C'est à... Ouf, faut qu'on fasse 488, vous avez vu? Ok, ouais, c'est chaud. Petit topo les gars. Petit topo, ouais. Là, moi je pense que on devrait faire le plus de planètes safe possible, d'accord, ouais. Comme ça, on fait un maximum d'argent, on fait le quota. Objectif, faire plus que 550 balles. Une fois qu'on a 550 balles, okay. Le prochain quota, on pourrait tenter une lune niveau 3 avec notre argent. Parce que le prochain quota, il risque d'être salé. Donc là, on fait safe, le plus safe possible pour faire de l'argent. Et après, on va sur la lune, les lunes difficiles, la prochaine, prochain quota, ouais. Ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est efficace quand on fait deux équipes et qu'on y va avec quatre. Hein. Et bonne chance. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Clairement, clairement. Je prends un... Ça y va, Ryan. Take une pelle. Tu prends Ryan. Qui, Ryan. Ryan. Vas-y, je prends le toki. Pas de soucis, pas de soucis. Vas-y, je pose la lampe. Je pose la lampe, je prends le toki. Ah, tu veux la lampe? Tu peux prendre la lampe, hein. Non, vas-y. Ouais, pelle, c'est tout. C'est fermé, vous le gagnez, ça fermé. T'as pris une lampe, c'est bon? Ouais. Vas-y, regarde. C'est où? Non, c'est la diagonale gauche. Non, négatif. Chris, vous avez un toki? Non. Vous avez pas de toki? Je vais aller en prendre, Chris, va faire ton truc, t'inquiète. Fais tes trucs, je te reparle. J'ai oublié, j'ai pas pensé. J'ai une pelle, ouais. Et j'ai un item en plus sur moi, fuck. It's fine. C'est une planète niveau 1, en vrai, je suis zéro en panique. Par contre... Radio check. Je sais plus où c'est, les gars, voilà. C'est de l'autre côté, hein, là-bas à gauche. Radio check. Dis à Ryan de venir me chercher, s'il te plaît, je me suis perdu. Nous, on est à l'intérieur, et c'est dehors. C'est bon, je crois que je vois quelque chose, là. Ouais, c'est bon, je suis là, merci Ryan. T'inquiète. C'est vrai, hein, tout à l'heure, quand je disais, ouais, c'est relax et tout, bam, triple kill. Ouais. Bon, on peut ou prendre le pont ou aller en bas. Go, en trace, en trace. Souvent du... Ah oui, t'as raison, mais en vrai, ils sont pas allés en bas, les gars? Non, ils sont allés en haut. Bah viens, moi, nous, on va en bas alors. Ouais, viens, on va en bas s'ils sont allés en haut. Y'a pas de ruche. Ah, y a une ruche hein. Non, y'a pas, je regardais non, aussi. C'est juste les abeilles. Ok. Chat, merci d'être aussi nombreux, merci d'être là, de nous accompagner, c'est un délire. Salut Bast, merci beaucoup. Et vous là, qui êtes là, qui regardez le live et tout, je vous aime. Toi là, merci. Je pense à vous parce que vous êtes vraiment nombreux, je suis à fond dans le jeu. Je vous parle pas trop, je me dis le contenu est bon. Je vous aime. Know you. Love you. C'est pas le meilleur moment pour être sentimental, mais c'est vrai, j'ai tourné la tête, j'ai vu qu'on était vachement nombreux. J'ai jamais vu une cloche. 70 balles, waouh. En bronze. Affirmatif. On a déjà posé du haut dehors, les gars. Il y avait un escalier ici. Salut Mouloud. Non, j'ai rien ouvert.
Vous êtes gentils, merci les gars. Merci les filles. Il y a une araignée, les gars. Il y a une toile d'araignée, donc il y a une araignée. Ma radio check. Tout va bien. Ok. Ici, il y a une tour et là-bas, il y a une araignée. Je peux plus passer. La salle de bain. Salle de bain. je la rêve. Mec, j'ai connu Hannes, le blédard. Et 2-3 jours plus tard, il a sorti sa chanson L'araignée. On était morts de rire. Et après, le reste, c'est l'histoire. Hein. Genre, elle avait 10-20 000 vues pendant quelques semaines. Et là, bam, 50 millions de vues. Le reste, c'est l'histoire, je te dis. Je vais commencer à partir vers l'avant. Je vais dire à Ryan. Ryan, Milou, tu m'entends? Ouais, Milou, je vais... va pas... Ah, tiens, Ryan, je te laisse la lampe. Tiens. Ouais, là où il y a une araignée. Tiens, je vais faire la mule. Ne tarde pas trop, il est 13h. Loot un item ou quoi et repart. Je vais faire la mule, moi. Je vais monter pour faire la mule. Ouais, les gars ont testé le zap gun, ça les a tués. Hein ? Répète. Bah, Hannes a toujours été mon pote. En vrai, on n'a jamais fait de duo ou quoi. Hein. Les vidéos qu'on a fait avec Hannes se comptent sur les doigts de deux mains. On n'a jamais vraiment été un duo là. C'est un frère, tu vois. Genre, c'est mon pote là. C'est pas mon collègue de duo de YouTube ou quoi. C'est vraiment genre, ça a toujours été un bon ami. C'est comme certains de mes potes. Donc, quoi, il n'y a pas de on était le meilleur duo là. C'est juste un très très bon ami à moi, un de mes meilleurs amis. Et il n'y a pas de on était un duo ou quoi. En vrai, Hannes a testé des jeux ensemble, on a joué ensemble, mais genre, on n'a jamais été. Tu sais, on n'a jamais eu cette vibe de collègue avec Hannes. Même sur Dark RP, avec Hannes et Snaku, c'est un peu. Un souvenir inventé dans le sens où, oui, j'ai joué un peu avec Snaku, j'ai quasiment jamais joué avec Hannes à Dark RP. Avec Snaku un petit peu, on a fait les nettoyeurs, on a fait ci, ça. Mais genre, Snaku et Hannes, leur délire, c'était de faire les grenades et de faire péter tout le monde. Genre, vous avez des souvenirs un peu inventés parce que c'est lointain, c'était il y a 8-9 ans. C'est Hannes, Snaku, tout ça, mais genre, on n'a pas fait tant de collaborations ensemble. On a surtout, on est juste surtout potes, tu vois. Ouais. Le duo, c'était Hannes et Snaku de ouf. Hannes et Snaku, eux, ils étaient à fond... sur Dark RP et tout. Mais moi, c'est vrai, c'était tout le temps que disent des gens: ah, oh, Nabil, à l'époque, t'étais la team merguez et tout. Je dis: bah, pas vraiment là, mais je comprends d'où viennent. Il y a un terme pour cette pour ça là. Vous m'aviez déjà dit: il y a un terme pour ces souvenirs mélangés, lointains, inventés un peu là. 15h20, les gars. L'effet Mandela, c'est ça? L'effet Mandela, oui, il y a beaucoup d'effets Mandela chez les gens. Ils sont en mode: putain, Nabil, ils deviennent quoi, tes anciens potes? Avant, t'étais en équipe. Je suis en mode: pas du tout, ça. J'ai toujours la même relation avec ces potes là et tout. Ouais, c'est l'effet Mandela de ouf. De ouf. C'est ça. Mais c'est normal, frère, on a... Genre, c'est mes amis de plus de 10 ans. Et... ouais, juste... moi, genre... c'est ça, c'est juste... ma relation avec eux dans la vraie vie, tu sais, a pris beaucoup, beaucoup plus de place que, genre, nos collaborations sur YouTube ou sur Twitch et tout. Parce que, justement, avec Snaku, avec Hannes, on collabore pas trop sur YouTube, sur Twitch, tu sais. On est surtout potes dans la vraie vie, c'est ça que je veux dire. Après, c'est sûr que j'ai fait PUBG avec Hannes, on se butait à PUBG. J'ai fait des découvertes avec Snaku, j'en ai fait à la pelle. On arrive, les gars, on arrive. Putain, regarde là. Putain, je suis avec l'autre qui suce des bites tout le temps là. Et ouais, qui parle quoi, super. Attends, il a fait. C'est quoi le. Qu'est-ce qui lui a mérité ce titre au premier mec? Ah oui, parce qu'il s'accroupit à chaque fois. Non, non, parce qu'il. Mais... ah, ok, oui. Tout le temps là. Ah, oui, de ouf. Il est 17h là. Qui fait ça? Non, pas toi, Pyro, t'inquiète. On parlait du monstre. On décolle. Bien joué, les gars. Par contre, la radio, à un moment, vous entendez plus rien ou quoi là? C'est lui qui est parti avec la radio. Ryan n'en avait pas, ouais. Mais on peut prendre une radio. Du coup, tu répondais pas? Pourquoi je t'entendais plus? Est-ce que je l'ai éteint sans faire exprès? Peut-être, en vrai. Moi, je m'en foutais de ce que t'avais à dire. J'étais en train de raconter ma vie, pour être honnête. Désolé. Ah, bah, c'est cool. Nous, on était là. Bon, les gars, est-ce qu'on sort et tout? Vous attendez, tu vois, genre. Désolé. J'aurais dû faire attention, mes excuses. J'ai pas fait assez attention. Ma faute. Non, c'est vrai. En fait, je voulais faire la mule et j'aurais dû juste vous dire, les gars, je vais faire la mule. J'ai pas dit. Chris, dis. On est seul dans cette mission, on est seul. Mais non. Ça, c'est non. Ryan, en fait, il fait avec ce qu'il peut, tu vois. J'avoue que Ray, il est pas aidé.
Wow. Bah juste dis Nabil c'est une grosse merde dans ce cas là, vous avez dit on est tout seul. Sale poulet quoi. Prends un talkie Ryan, prends un talkie. Non non c'est vrai que je l'ai oublié. Parce que lui contrairement à toi il est discret tu vois. Discret mais efficace c'est ça. C'est la même planète parce que c'est... Mais il est efficace. Mais il gère voilà. Alors que toi... J'ai remis la même planète parce que c'est la seule où il n'y a pas des conditions météo dégueu. La même lune. C'est rien, hein, c'est le cycle de la vie. Ouais. C'est le cycle de la vie. J'ai pas de pelle cette fois par contre. Hein. Vu que j'ai pris lumière et Toki. Okay. Je vais user ma lampe à ne plus savoir comment faire ça. Ça doit être rentable. C'est un moule à biscuits. Un moule à biscuits. Radio check. Putain, j'ai entendu un bruit. Je veux juste un item là et je me casse. Ah mais non, je suis full déjà, faut que je sorte ça. Je pensais que j'avais de la place. J'ai trouvé le générateur, mais il faut une clé et je viens de trouver une clé. Donc dites-moi et générateur bye bye. Ok. On voit maintenant. Okay. J'ai posé deux items à la sortie d'urgence au cas où je meurs. Ça va, Ray? Bilou, viens. Peut-être qu'il y a du stuff à l'autre ici, viens. Pas par là, excuse. Là, juste ici, donne-moi deux secondes. Ah, tu gères. C'est voilà. Allahi barki, Allah hasidi. Ok, moi je suis plein. Nous en vrai on est rentable les gars. Nous on a rien pour le moment. Ok, bah on attend le réacteur, on attend votre go pour le réacteur. T'as Ryan, de la place pour veux-tu, pour pas que ce soit trop redondant, tu devrais repartir, fais la mule, ramène tout au vaisseau, à côté de la porte d'urgence. Puis moi je vais prendre le réacteur, juste pour pas que ce soit redondant. Je veux pas faire la mule trois fois de suite là. On dirait que depuis tout à l'heure je fuis à mes responsabilités d'être dans le donjon, tu sais. Pour l'instant, notre plus gros quota, c'était... Ah, mais c'est celui actuel, en fait. C'est 490. Toujours en vie ? Je vous entends, les gars. Eh merde. J'ai fait fuir un truc. Ryan, t'es où? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Il est quelle heure? Deux secondes. Il est 1h30. Merci, Zalva. Les gars, faut commencer à remballer. Ça dépend de la lune, Karim. Il y a au minimum des petits cafards verts de terre. Bilou, on est tous sortis, hein. J'arrive. Vas-y, Bilou, je suis installateur pour que je te quitte. Il y avait un cafard là, t'as vu? Ah, c'est bon. Il y avait un cafard, ouais. Ouh, c'était beau ça, bien joué. Oh là là, on est tellement efficace.
Je pense qu'on est tous plats en plus. Je kiffe tellement la direction artistique de ce jeu. Il y a des gens qui pensaient que j'étais fou dans la vidéo présentation de ce jeu. Je dis que les graphismes sont sublimes. Il y en a plein qui m'ont dit « Haha, tu trolls Nabil, les graphismes ils sont dégueulasses. » Moi je vous cache pas là, je discute pas avec ces gens là, je fais masquer cet utilisateur de ma chaîne. Mais ouais, yo. La direction artistique elle est ouf. Puis genre le pixel art, le côté monitor. On dirait un peu les anciens moniteurs là, comment on les appelle, les gros écrans cathodiques là. Oh scanner gros. Chris, il vous l'éloigne. C'est bon, venez les gars, venez. Maintenant. Ouvre. Ouais, Chris, c'est dans la merde. Ouvre. Chris, c'est mort les gars. Go. Mais c'est maintenant. Oh, il est en train de se faire déguster. On l'a pas scanné, si? Ouais, de ouf. Attends, on le scanne. Hé, bâtard, viens ici qu'on te scanne, sale chien. Hé, psst, hé. Attends, je suis même pas récupéré le cadavre de Chris, hein, il a digéré. Ah, il a digéré mon gars. Tiens la lampe, je vais aller le scan. Je sais pas s'il a scan Chris. Non, on a pas eu le truc. Ah, il est là, bon, il est là, forêt giant. Ah. On peut pas le sauver, on peut pas l'aider. Non, on peut pas. Je l'avais scan. Ah, mais bon, moi je l'escale une deuxième fois juste pour être sûr. Bon, bien, il faut qu'on recharge tous les équipements et tout là, ce serait bien. Yo, on a pas besoin de vendre là, bon, on a encore un jour de plus. Ouais, on a encore un jour de plus. Pas mal. Bonne run. Okay, normalement, c'est comment ça, de laziest employee? Ouais, là j'ai récupéré plein de trucs, je vais charger. Moi, je sais pas. Je l'avais déjà scan les gars. Shit. Ah ok. Je suis mort pour rien. J'ai pas fait gaffe qu'on avait une nouvelle créature. Ah, c'est pas grave. Du coup on a un malus pour ça? Oui, deux malus. En fait on a pris une amende quoi. Oui, c'est quoi le géant là? Je regarde. Il s'appelle Forest Keepers. Les gardiens de la forêt les gars. Le nom scientifique c'est Satyride Proceritas. Niveau de danger 50%, moi je dirais 500%, mais bon. Et ouais, on croit qu'il partage des ancêtres avec d'autres créatures, les behemoths qui étaient appelés les Forest Keepers. Dans le biome forêt. On the rim, large spikes and bumps across their bodies from aging. Okay. Bon, on en a eu un dans le désert, hein. Je veux pas dire, mais. Ah, apparemment, ils ont une. Les gars. Ils ont une mentalité curieuse comme celle d'un enfant de 5 à 6 ans. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Okay. Et ils mangent tout ce qu'ils trouvent fascinant. En fait, lui, c'est un enfant. Ouais. Il nous a vu, il est en mode « Oh, waouh, c'est quoi ça ?» Il nous a goûté. Oh, c'est trop drôle. Ils n'ont pas besoin de mettre quoi que ce soit dans leur bouche. Et la théorie, c'est que ils font de la photosynthèse comme des plantes. Ils mangent que pour le plaisir. Okay, ok, excellent. Il ne peut pas rentrer dans les petits espaces. C'est pour ça que notre vaisseau, je pense, t'empêche de. Il ne peut pas venir dans notre vaisseau. Il peut venir sur la passerelle nous attraper, mais il ne peut pas rentrer dedans. Ouais, ok. Bon, c'est bon. Nice. On a combien là? On a le point un peu là? On n'est pas bien, je crois, encore. Si. On est pas. Il faudrait qu'on ramène au moins 100 encore là. Ouais. J'arrive pas à 488, j'avoue. Moi j'ai un 306 là. Moi j'ai un 306 les gars. Mais j'ai pas tout. J'ai info sûr, j'ai pas tout quoi. Est-ce qu'on se sent d'attaque pour faire une planète niveau 2 ou on reste safe, on va sur Va ou encore? Bah en vrai, on a juste quoi? On a une centaine à ramener, je sais pas, c'est comme vous le sentez quoi. Ouais. 330, non. On va la jouer safe et le risque ce sera la mission d'après. On va la jouer safe et le risque ce sera la mission d'après. Quoi qu'il arrive, faut pas qu'on meure. Y'a pas de mission d'après, gros. Faut pas qu'on meure. C'est le dernier jour, hein. Non, mais ce que je veux dire, Pyro, c'est qu'après ça, on ira à la lune niveau 3.
S. Ah, ok. Let's go. Allez. Vous, votre équipe a chargé, les gars? Ouais. Non, attends, attends, attends. Négatif, négatif, 100%. Ouais. Belle là. Vous avez le temps, vous avez le temps de charger. Non, 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 non. Vitoki, lumière. Quelqu'un a pris Pell? Bah oui, tu l'as dans un... En plus, tu viens de me dire que t'allais le prendre, non? Ou j'ai rêvé? Ouais, je prends. Ah, y'a une ruche, les gars! Y'a une ruche, mec! Y'a une ruche! On peut juste prendre la ruche et se barrer. Ouais, mais venez, on fait super vite, genre, on reste vraiment moins de 2 minutes dedans. Chacun un loot, on se dit. Juste pour les sous pour payer le voyage après, quoi. Ah, oui, c'est vrai. On a déjà 200 balles, plus le quota, on a de quoi payer le voyage, mais. Ouais. Ryan, on prend la sortie d'urgence comme d'hab. Ils ont l'air. Ah, c'est toi en bas? Okay, ouais. C'est bon, let's go. On l'a fait 3 fois de suite cette planète. J'adore. Un jour j'appellerai ça des lunes, mais en attendant, c'est une planète. Oh, dans une salle directe comme ça? Ok, y'a un petit cookie mold. Ah les gars, on est bah, juste là. Ah ouais, lourd la sortie d'urgence. Ok, moi j'ai du stuff. Bien, wesh. On a un robot aussi là. Y'a une créature. Y'a un monstre. Y'a une créature, vas-y, il faut la lumière, c'est un moustique de merde. Ok, moi je suis fou. Vas-y, on y va. Ryan est full, venez, on va prendre la ruche, les gars, juste, non? Ah, ok, il s'occupe de la créature, c'est bon. Ouais. Il s'occupe de la créature. Merci, mon cher Crysis, pour 37 mois d'abonnement, welcome back. Merci, merci. Ils sont là-haut, hein, ils sont à l'extérieur. Oh, ils sont là, les gars. Non, pour en revenir à la direction artistique, les gars, je comprends tout à fait que c'est pas le goût de tout le monde, évidemment. Je faisais plus référence à, comme je dis tout le temps, les gens pour qui photoréaliste c'est beau, n'importe quoi d'autre c'est moche. Évidemment, t'as le droit à tes goûts, ça va de soi. Je faisais plus référence au fait que les gens qui considèrent catégoriquement ce qui n'est pas Unreal Engine comme moche. Tu sais, c'est le baromètre de la beauté super limitée, super simple. Genre, si c'est pas première personne photoréaliste, c'est moche, t'as capté ? D'ailleurs, les gars, on n'a pas scanné les abeilles. On peut pas avoir des infos sur les abeilles. Comment la ruche là, j'avoue. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est le robot. C'est le robot qui ferme. Circuit Bees. J'ai aggro. Mais attends, attends. Ouais. Mais attends, attends. En fait, vas-y, je les prends. Je les aggro et tu prends. Vas-y, j'aggro. Approche-la juste après, lâche-la. Ouais, elles se barrent. Elles reviennent vite, hein. Faut que tu sois. Merde, j'ai pas pu grab. On réessaye. Dur, hein. Elles arrivent. Prends ton temps. Elles sont loin, prends ton temps. C'est bon, viens, Nabil, viens. Lâche, viens. Elles sont sur moi. Mais je suis dans le vaisseau, c'est bon. Je suis sur la passerelle. Dijox. Normalement, il est sur la passerelle. Ouais, je suis sur la passerelle, c'est bon. Pour le miel. Pour la seule. Oh, merci, Dijox. Là, on pense à toi là. Sucré tout doux là. Aïe aïe aïe. Regarde ça, ce que t'auras pas au réveil, Blue. T'inquiète pas, je me réveille dans 2 secondes. Salut, Blue. En vrai, c'est peut-être le moment aussi d'essayer la drogue là qu'on a, tu sais, l'inhalateur. Ah oui, de ouf. La planète niveau 3, inhalateur. Comme Jaja. Ouais, c'est bon, regarde, on a pris une amende de 16. Beau sacrifice, Bilou. Posé, c'est worth en vrai. Large. Bon. Allez. Imaginez, les gars, je me trompe et on va pas à la compagnie. Bah. Je joue plus jamais avec toi. Moi, je joue plus jamais au jeu. On game over sur un malentendu comme ça là. Parce que hier, c'est ce qui nous arrive. Ce serait bien con, quoi. Non, honnêtement, même moi, je pense que j'aurais plus le courage de rejouer au jeu. Et genre, j'aurais trop honte. Je pense que pour faire un truc comme ça, faut vraiment être débile. De ouf. Non, pour le refaire, s'il te plaît. Ouais. Comment ça, ouais?
on dépose tout, hein. Ouais. Ah, mais frère. Là, on a besoin de sous pour aller sur la troisième planète. On va les avoir, les sous posés. Bah, je sais pas, il y avait des planètes à 700, non 550, moi, je me souviens. Le robot... Y'a plus de place. Le jouet robot en carte. Non, mais y'a plus de place, les gars. Y'a plus de place, les gars. Je sonne. Là, c'est pas le moment de mourir, les gars. Hein. Il aime pas qu'on raconte nos vies, il a pas pris les matos, le matos. Il dit fermez vos gueules. Il revient. Il a essayé, hein. C'est bon. Bien, wesh. Ryan, c'est un pro de ça. 680. DMD, frère. DMD. You're true professionals, les gars. On est des vrais professionals. Professionals, sir. Sir, yes, sir. Le robot, il vaut combien? Everything for the company. Et on veut garder le robot, pourquoi? Juste parce qu'il est joli? Je sais pas. Non, mais voilà, je le vends. Regardez-le. Ok, ok. C'est bon, je vous laisse, je vous laisse. Mais non, laisse-le. Le problème, c'est que je peux pas le mettre vers nous. Comme ouais, ça. Faut le mettre, voilà, c'est ça. Hey, laisse! Pyro, reviens! Pyro, hey! Il a kidnappé, écoutez ses pleurs, le pauvre, le robot écoutez, il pleure! Écoutez bien, écoutez-moi bien! Je vous jure que je vais crier à la porte là-bas, je me suicide avec ça! Hein. Ok, ok, vas-y, va le vendre, va le vendre! Faites gaffe! Va le vendre, frère, va le vendre! Ah, ok, vous savez quoi? On fait. Ah, ouais, c'est comme ça? On fait pas un vote à main levée, regarde bien! Eh, hey, monsieur! Il parle à des tentacules. Il a tabassé. Il l'a tué. Ramène le robot. Il veut plus franchement. Vas-y, vends-le. Bon, oh, il vaut 5 balles. Il vaut 5 balles, Pyro. Ouais. Vas-y. Et la pelle, moi, faut pas la. J'arrive pas autant, mais. La pelle, je peux pas la prendre. L'appel, les gars. J'arrive pas. Je peux pas. Il veut même pas de son corps, quoi, tellement il est en train de le teabag. Voilà. Allez. Sans cadavre, il est passé, c'est bon. Tiens, Pyro, on va te faire foutre maintenant. Nice. On décolle, les gars. Attends, est-ce qu'on veut acheter des trucs, genre une pelle, une lampe? On va en mission là. Ah ouais. Pensez en vrai, lampe et. Bah on vient de vendre une pelle, tu vois, bêtement. Ouais, mais honnêtement, moi je rentre même pas avec une pelle, hein. Moi il me faut une lampe. Est-ce qu'il a pas perdu sa lampe? Non. T'as une lampe sur toi? Qui a une lampe sur lui? Moi j'ai rien. Il nous manque une lampe alors. Je pense qu'il avait la lampe, les gars. Il manque une lampe et il y a deux talkies, moi j'ai pas de talkies. Peut-être qu'il l'avait alors. Il manque des talkies aussi, on en a plus que deux. Vous avez des talkies sur vous? Ouais, bon après c'est pas... Non, moi j'en ai pas. Après, deux talkies en vrai ça suffit, tu vois. Mais quand il est mort, il y avait qu'une pelle par terre. Non, mec, on va sur une lune niveau 3, c'est sûr que on va tous mourir, donc faut qu'on ait tous des talkies. Vas-y. Ouais, vas-y, on joue safe. Ouais, juste deux livraisons. On a 965 balles, je vais voir combien ça coûte. Ça arrive les livraisons, hein. Combien ça coûte d'aller à Dine? Là, on doit aller à Dine. Les autres sont catastrophiques. Dine, par exemple, c'est 600 balles pour aller à Dine, ok. Puis l'autre, elle coûte combien? Par exemple, Titan? 700 balles, ok. Alright. C'est 550, 600 et 650 le prix de voyage jusqu'aux lunes. Vu qu'elle coûte 550 balles, la lune, elle est mieux de nous en rapporter au moins le double, hein. Hashtag free pyro. Pyro libérable. Ok. Y'a un truc qui est encore là. Ah, ça a livré tout en même temps, ça fait plaise. Mais ouais. Tu fais comment d'ailleurs pour livrer plusieurs trucs en même temps? Bah rien, en vrai j'ai tapé Pro 2, j'ai mis 2 Pro Flashlight et 2 Talkie je crois. Ah ok, donc quand tu fais la demande, avant de confirmer, tu fais tout en fait. Non, même pas, j'ai confirmé chacun des deux individuellement. Je pense que si tu les fais super rapprochés ensemble et qu'il y a de la place, juste ils te les livrent. Ok, d'accord. La même, Pito, la même. Je suis d'accord. On sait pas trop, Ragnar. Ça, c'est le bâtiment de la compagnie.
On est un peu dans l'obscurité là. Dans l'inconnu, ouais. Cthulhu, on sait pas c'est quoi, c'est... J'imagine, moi, j'imagine que oui. Et nous, on n'est même pas des humains. Hein. Moi, j'ai un souvenir que il y a un de vous qui s'était fait buter et il y avait un ressort à la place de son casque. Deux, ouais, ouais. On est ouais, des machines, nous, on n'est même pas des humains. Ouais, ouais, je crois. C'est ça, on n'est même pas des humains, on est juste des clones, des machines clonées, je veux dire. Des machines faites en série. Vas-y, ça décolle. Moi je pense que des mods sur ce jeu ce serait légendaire, ouais. Imagine si on avait des maps modées, du contenu modé, la durée de vie serait infinie, pas incroyable, infinie. Genre si la communauté pouvait créer des maps, des armes, des ennemis, oh là là. Les mods c'est ce qui rendrait ce jeu, c'est ce qui le ferait passer au niveau de Among Us et Phasmophobia. Oh et tout. Non, il n'y a plus le robot les gars. On a 193. Quelle belle journée. Mais oui, c'est le pire move, j'étais en train de me dire, mais ils vont pas me jeter, c'est bête, c'est genre ils vont perdre, on va perdre tellement d'argent. Mec, on a 193 dollars d'amende. Uch. Bah oui, c'est logique, vous avez donné mon cadavre, genre on l'a pas récupéré, c'est moi je savais pas, je pensais qu'en le vendant, ça allait compter pareil, mais non, on a eu la pénalité parce qu'on a les stocks. Non, c'est ouf. Mais okay. Oui. C'est le pire move, on a perdu l'argent des robots et en plus on perd encore plus. Les gars. C'est pas grave. Les gars. Ah moi je suis pas, quelle belle journée, y'a plus de robots. On a un gros problème les gars. Il faut faire 660. Non, c'est pas ça. Le gros problème c'est que entre temps, la planète a été inondée, y'a des inondations sur Dine. Mais j'ai payé déjà le trajet donc. Ah non, j'ai pas payé le trajet. La planète. Non, j'ai rien dit. J'ai pas payé le trajet. Non, je l'ai pas payé. Et du coup, on va pas faire la planète niveau 3 inondée, c'est trop, hein. Moi je dis, on va faire une planète simple et on attend qu'elle soit plus inondée, vous en pensez quoi? Grave, carrément. Vas-y, lune niveau 2, et après ça on fait la niveau 3 parce qu'elles sont toutes les 3 mortes. Yo Pyro, ouais. J'ai lu ce que t'as écrit dans le chat, sale chien. Pensez à charger les lampes, lampes, les toki là. C'est bon, j'ai tout. Ouais, je suis d'accord, Ragnar, 100%. Vraiment bien pensé. Très inspiré de plein d'œuvres, mais en même temps à sa propre identité, très très cool. On va dans le bon sens, nous. J'ai pas pris de lampe, Ryan, t'en as une? Sinon je vais en chercher. Ok. J'ai un toki, hein, pensez à l'allumer les gars. Yes, c'est fait. Cram, je dégueulasse. C'était pour savoir si vous m'entendiez, c'est mon nom de code. Ah ok. Vas-y, appelle-moi vite fait. Merde, j'ai pas. Ça marche pas. Ah, merde. On a 5 ans. Ça marche pas. Appelle-moi pour voir, il a dit. Aïe aïe aïe. Pito, il faudrait trop. Il y a tellement de choses qu'il faut pour ce jeu. Mais après, encore une fois, faut revenir à l'idée initiale, les gars. C'est un jeune développeur de 21 ans qui en est à son 4ème jeu. Le mec, il est déjà en train de travailler sur son prochain jeu. Il est genre il arrive pas à faire deux trucs en même temps, c'est une folie, hein. J'ai toujours fait le j'ai toujours fuck you tout. Il a dit il a deux neurones, un pour marcher, un pour parler. C'est un truc de ouf, c'est juste que je suis toujours passé par là les vous faire foutre. Et donc ouais, je veux dire par là, le mec à la base le mec, ses ambitions c'était juste de faire son petit jeu. Ouais, on s'en pense. Vous avez une pelle vous ou pas? Ryan? Allô? Ouais, j'ai mis du stuff dehors. Hey. Ouais, vous... T'as une pelle ou pas? Non. Tiens. Mais là j'ai 3 items là. Donne, moi j'ai de la place. Ouais, ah, j'en ai 2 moi. Je veux pas. Ah, mais on est niveau. Les gars, c'est niveau 2 ici, c'est niveau 2 ici, faut faire vite. Y'a des monstres. Qui? À demander. Bah non, tu tombes plus là-dedans. Hein. Ça y est, tu m'as trop ruiné. T'es là? Ouais, je suis là. Ah! Il y avait un bruit chelou, non? T'as pas entendu le. Mais il y a aussi. Bilou, il. Mort de. Quoi? Il a pris mon cadavre, let's go! Il est mort de quoi? Tiens. Viens récupérer ça. Et récupère ça, j'arrive. Il est mort de quoi? Ouais, il veut pas nous répondre. Désolé, Loulou, Wallah, notre latte, c'est moi qui ai eu peur. Ah, je suis dégoûté.
Dégoûté, dégoûté. Ok, Pyro, ça se voit. Ça s'entend. Ça va pour toi? Ça marche ou quoi? Oh, vas-y. Et moi là, j'ai plus de place déjà en plus. Ouais, ouais, je suis. Je vais prendre ça encore là et puis on s'arrache là. P! Il l'a jeté. Ouais. Ouais, dis-moi, on est dedans, on est sorti. Ouais, en vrai, on a plein de stuff devant là. Oui, bien sûr, je peux voir n'importe lequel des trois. Bon, bah. Va. Ouais, moi je commence à ramener du stuff là. Moi je commence à ramener le stuff. J'ai merdé les gars. Désolé. Pyro, il est passé. Voilà la suite de mon donjon. Oui, exactement, Head Reaper. On n'a pas de pénalité quand on ramène notre corps. Ils peuvent. Comment dire, la compagnie peut le réutiliser, pardon. Oh, il y a trois loot là, je viens de voir trois loot. La vis, le pamamam et la loupe. Hey, le moteur, ça fait 4 loot. C'est trop, frère. Si, si, il a capté qu'il y avait la tourelle, il l'a évité même. La tourelle, elle te voit que si tu passes directement en face d'elle, elle a un cône de vision, donc tu peux très bien passer à côté de ce cône ou derrière. J'ai elle trop te capte. De stuff, putain. Ah, mais attends, je peux les prévenir en vrai. Putain, je suis c'est ça. C'est ça, c'est ça, il doit les prévenir. Mais eux, ils sont en train de déposer le loot. Vas-y. À mort de stuff. Bon. Ouf, ouh, il a eu chaud. Je crois que c'est par là. Yes, c'est là-bas au fond. Moi, je laisse rien. C'est des malades. Non, pas en spectateur, il n'y a pas de FPS. Mais j'aime bien, en vrai, ça change, parce que t'es tout le temps à la première personne. Alors c'est rafraîchissant d'avoir la caméra à la troisième personne. C'est moins étouffant, ça fait moins peur. C'est oppressant d'être FPS comme ça, la vision étroite. C'est quand même une lune niveau 2, donc... Il y a des monstres. Il y a la tourelle. Ouais, je t'entends, ouais. J'arrive. Ok, les gars, au moins ils ont sécurisé pas mal de loot et ils ont sécurisé eux-mêmes. Ah, le son, c'est la moitié du charme de ce jeu, absolument. La spatialisation, la réverbération, l'étouffement, tous les effets audio qui sont appliqués dans toutes les situations. Je pense que le truc qui m'a le plus fait kiffer niveau son, qui m'a le plus impressionné, c'est au tout début, lors de notre premier épisode. C'est West là, de ouf. Quand Pyro, il y a un cafard qui lui est tombé sur la tête et son cri a été étouffé, on entend juste. J'essaie de le refaire là. Mais genre, quand Pyro a eu le cafard. Mais c'est vrai que sous l'eau aussi, c'est vraiment stylé. Quand t'as un pote qui se noie, t'entends juste. Non, c'est trop bien fait. Ah, y a un monde où je rentre pas. C'est trop bien fait. Vas-y, viens. On va chercher. Les gars, pourquoi vous êtes pas revenus? Non, les mobs déclenchent pas les tourelles. Mais le tir croisé, je sais pas. Mais y'a trop de stuff, on aurait pu le faire. Ah! Ouais, il est parti chercher deux Toki. Mais, Kerat, pourquoi alors, quand on ouvre le catalogue, la commande, l'invité de commande, c'est Moons au pluriel? Et pourquoi la description du jeu, c'est vous explorer plusieurs lunes? Et pourquoi le développeur du jeu dit que il a fait 8 lunes différentes et qu'il prévoit d'en rajouter d'autres si on est sur la même lune? S'ils vont avoir un Toki. Pépé, t'as la radio sur toi encore? Oh, la synchro! Moi, j'ai pas de radio, hein. Y'a ta mal. Il est où le matos là? Reste à l'intérieur là, il est où le matos là? Dis-nous. Matos là. Ah ok, bah rentrez et go. Là vous allez tout droit, y'avait un petit monstre. Non, je me demandais Kerat. Une petite limace là qui vous saute à la gueule, faites gaffe. Je t'ai dit ça Kerat, on dirait que je me foutais de ta gueule, mais c'est pas du tout le cas. Maintenant vous prenez à gauche et attends, allez à la tourelle, je sais pas si vous vous souvenez où elle est. C'est en te parlant que j'ai réalisé tout ça Kerat. Gauche, pardon. C'est en te le disant que j'ai réalisé. Derrière vous les mecs, derrière vous. Ouf. C'est en te le disant que j'ai commencé à réaliser tout thermique, ça. Les gars. Plus la tour. Ça arrive sur vous, ça. Ah
What the fuck? Pyro, il faut qu'il décolle. Dégommer instant. Waouh, il a tellement sprint. Aïe aïe aïe, c'est maintenant à Mao, c'est la prochaine. Voilà, fallait venir avant, c'est tout. Chez. Oh la montre de zinzin qu'on va taper là. Ouais, ouais, oh, gars. Mais on a les sous, on a les sous. Il a raison. On a les sous. Ouais, mais on va taper une amende de fou, gros. Ouais, genre 200 balles et quelques basses. Ouais, ouais. J'espère juste qu'on aura de quoi aller sur l'autre lune, tu sais. Pyro, je sais pas. What the fuck? On a pas de quoi aller sur la lune, okay. Mon dieu. Mon dieu. Il y a 282 balles là. Ah. Bon bah les gars, faut qu'on retourne sur... on peut pas aller sur la lune niveau 3 tout de suite hein. On a pas l'argent. Mais on moi, moi je pense vraiment qu'on aurait dû prendre tout le stuff, le mettre dehors et ensuite faire des allers-retours, tu vois. Ok. Ouais, je sais pas. Ouais, si peut-être, t'as peut-être raison. Hein. Ok, on va retourner sur la même lune les gars si vous êtes chaud. À moins que tu peux changer. Non, c'est la seule niveau 2 qui n'a pas de conditions météo dégueu. Donc on va sur la même lune. Mais c'est ça, c'est que Pyro Mskin, il était avec, il a trouvé une salle avec 6-7 pièces, il était tout seul. Enfin 6-7 loot. Ouais mais t'avais déjà tout le loot qu'il y avait dehors. On avait deux trajets déjà, enfin C'est vrai, c'est vrai, non mais vous avez, honnêtement vous avez bien joué ça. Y'a rien à dire, j'ai rien à dire, vous avez bien joué ça. Et y'avait le cadavre aussi tu vois, genre bêtement tu vois. De ouf. Non non, vous avez géré, y'a rien. Non, ok bah on y va. J'aurais pu faire mieux largement tu vois mais... Regarde là. Ça rach... vous m'entendez ou pas? En vrai c'est pas grave les mecs hein. Moi j'ai plus de talkie. Ryan t'en as un? Ouais c'est bon. Tu seras non, mes non, oreilles. Non non je suis une lampe. Ah merde. Non, je il est où? Tiens tiens bah tenez. Ok lourd. J'arrive avec mes deux neurones Chris. Ouais. Wow, deux neurones carrément. Bah il a dit il a deux neurones, un pour marcher, un pour parler. Non 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 non, j'ai dit un pour marcher et l'autre pour éviter de chier en marchant, c'est différent. Waouh. Waouh. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous savez ce que j'aime trop les gars? Tu sais ce que j'aime trop Pyro, Chris, Ryan, toi t'es exclu de ça, ce que je vais dire. Mais c'est que genre on joue ensemble depuis presque 10 ans. Sur ma chaîne YouTube là, il y a des vidéos de nous trois datant d'il y a 8 ans. Genre nous trois là, bon Ryan t'es mon frère hein, t'es mon pote IRL, c'est juste que je vais pas jouer avec nous jamais. Je te jure, on était des gamins. Non, vous vous rappelez peut-être les saisons Rust. T'as 40 mères, Chris arrête hein. Je de ouf. Chris pour moi t'as toujours eu 40 ans, je suis d'accord. Oh, Hiro, il est incroyable mon gars. J'aime trop, ça va super et toi? Ok, on y va, efficacité. C'est pas... Ok mon petit Chris il est où? Il est là. Ah, je suis à droite. J'ai la bière. Je sais pas, il nous dit efficacité, il part à gauche, tiens, vas-y on va à droite du coup. Excuse, c'est votre gauche hein, désolé, ouais ouais, j'ai... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais c'est vrai parce que normalement c'est nous à droite et eux à gauche, j'ai zone out. Il y a une plaque en plus, vas-y. Ah je peux pas faire le saut. Ah je la prends, je pense. C'est galère un peu ouais, de sauter sur la barrière. Ah nice, force et honneur, Hiro. Moi aussi éventuellement je reprendrai l'université, je veux faire des cours de journalisme. J'aimerais ça avoir un diplôme de journaliste, parce que je me considère comme un journaliste dans l'âme. Un journaliste de jeux vidéo, donc éventuellement, moi, brouillard. Je retournerai à l'université. Pour le journalisme, ouais. Anam. Ok, j'arrive. À droite c'est vide les gars, à droite c'est vide. À droite c'est vide. Moi j'ai beaucoup de trucs de salle et tout, c'est juste qu'il y a du brouillard. Je vais avoir bravo Hiro. Bah je crois qu'on va tous aller avec lui hein. Je suis là Ryan hein. Mais à droite c'est le spawn. Mais j'ai pas fait ici. Nous on part à droite au carrefour là. Ok, dans 2 minutes on va commencer à se faire bouffer. Rappelez-vous, c'est une planète niveau 2. Mais les mecs, ça les passe mecs. Pas, Pyro. Prends l'élan, frère. Recule un peu et saute mais un peu avant. Non, Pyro, ne saute pas collé. Saute avant, ne saute pas collé à la barrière. C'est exactement ce que je fais. Mais non, recule. Voilà, faut que tu. Mais mec, c'est exactement ce que je veux, prendre de l'élan. Mais sérieux, quoi. Ryan, qu'est-ce que tu branles? T'allumes la lumière? Tu l'éteins plutôt. T'as galéré à la rallumer, j'ai fait la même tout à l'heure. Je l'ai éteint, je savais plus la rallumer. Je vais aller faire la mule moi.
Et le je vais monter la garde aussi surtout. Je vais aller faire la mule et monter la garde un peu. Désolé, hein, je sais que je fais beaucoup les allers-retours la mule, mais je me dis c'est pas grave, y a rien d'extraordinaire à l'intérieur. Là, on a déjà vu cette planète. C'est la planète 3, vous en faites pas que je vais bien visiter. Par contre, je sais plus par où on est arrivé, j'ai l'impression que c'est pas du tout par là. Si, c'est par là, mais comme... Ou là-bas. Bully, c'est mon excuse pour ne pas me faire bouffer par un monstre sans tête en forme de sucette. Je sais pas, il est pas vraiment en forme de sucette, c'est juste que genre, comme ça là, on dirait qu'il avait une ampoule au niveau de la tête, je sais plus, il a juste traumatisé le monstre, donc je suis bien là. Là je suis bien, c'est notre vaisseau là-bas. Non, c'est juste à côté. Bob Marley, le but du jeu, c'est de partir en mission sur ces lunes et de ramener du matos. De ramener du matos qui vaut de l'argent. Tous les 3 jours, nous avons un quota à remplir. Donc le but du jeu, c'est de faire assez d'argent. Dans cet univers de science-fiction ténébreux et terrifiant, bourré de monstres, nous explorons des anciennes zones industrielles, des anciens avant-postes abandonnés, et nous devons tout ramener à notre vaisseau. C'est ce que je veux dire par je fais la mule, regarde, je dépose ça. Je dépose ça. Mental key est activé. Tout va bien, les gars? Je vais regarder si tout va bien, s'ils sont pas tous morts. Et merde. Ça bouge, c'est bon. Pyro est en vie. Chris est mort. Pyro, Chris est mort. Je répète, Chris est mort. Ouais, Chris est mort. Il s'est fait bouffer. J'en ai 32. Je passe à l'équivalent bac littéraire. L'année prochaine, je vais en DUA. Très, très content pour toi. Oh là là, Allah Iber Kiro. Waouh. Quelle incroyable aventure à l'horizon là. Félicitations. Ok, Bilou, je t'entends. J'étais parti ramasser une caisse, là je reviens en prendre une autre. Il y a du safe devant la porte, encore une roue comme ça là. Ouais, j'y vais. Pardon, je me suis perdu en fait, c'est là la passerelle. T'inquiète. Non mais le chemin retour, j'ai fait tellement un gros détour pour rien. C'est vrai, il y a cette passerelle. Mais on peut pas la faire en retour cette passerelle, on peut la faire à l'aller. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça passe par là, les gars, il passe. Ah ! Les gars, y'a un monstre à côté de la porte! En fait, je peux y aller en vrai. Non, les maps à l'extérieur, Carlos, elles sont fixes. La map ici, elle est tout le temps pareille. Mais à l'intérieur, le donjon, il est toujours généré procéduralement aléatoire, ouais. Radio check. Donc oui, la map à l'extérieur, elle est toujours fixe. C'est des chiens de la lune. Ouais, c'est saloperie. Putain, imagine, il s'en fait bouffer au vaisseau. Oh. Ouais, mec, il y avait deux chiens à la... Attention, il y en a un là. Chut. Accroupi. Il est là. Oh putain. Il est sorti de sous terre. C'est Unity, le moteur du jeu, ouais. Ouvre la porte. Il est 18h, Pyro, ouvre la porte. Je l'ai vu, le monstre sur la minima. Il est sorti de sous terre. Je l'ai vu sortir de sous terre direct à tes pieds, Ryan. Il est sorti, oh ouais, à 5 mètres de toi. Vas-y, on décolle. Rip Chris. Yo, l'amande qu'on va se manger encore. Il a fait le pire saut de l'univers. Ah, il est tombé dans un trou. Oui. Rip. Juste avant qu'il meure, j'ai entendu aïe. Genre, il a chuté IRL. Ah,
293 avec une amende de 150, let's go. Moi j'ai 462. 66, ça va. Mais meilleur saut les gars, meilleur saut. Désolé. Mais non, y'a pas de stress gros, c'est le jeu. 460. Le problème, tu sais, c'est que quand tu rates un saut, après t'es traumatisé, tu vois. Pendant 10 sauts, mec, ça va être l'enfer. De ouf. Pendant 10 sauts, ça va être l'enfer, tu vois. Je suis dessus, hein, offense. Est-ce qu'on reprendrait des Tokiwalki ou Balek et bonne chance? Non, mais on doit les vendre à la prochaine mission. On a juste besoin du. Bah, pas du strict minimum, mais honnêtement, là on a trop tardé, faudrait qu'on tarde moins. Et qu'on est arrivé. Moi j'ai merdé, je suis allé à votre gauche, je vous laisse la gauche, on ira à droite avec Ryan. Mais non, c'est. Mais non, pas du tout, on a vu que tu es parti à gauche, on est parti à droite, hein. Non, mais ça. Mais on perd pas de temps. Ok, bah go, prenez une lampe, bon, après, il en reste. À droite, il y avait des sous, quoi. Yalla, les gars. J'ai vraiment l'impression que là la pelle elle sert plus à rien quoi à ce niveau là. Ouais, je suis d'accord aussi. Et dites-vous, on n'a pas encore été dans les lunes niveau 3, j'ai tellement peur. De ouf. J'aime trop ce jeu les gars. J'appréhende déjà le moment où on l'aura fini, tu sais, on se dira ça y est, faut plus, on n'a plus rien à faire dessus. Bah moi j'aime bien le jeu mais je pourrais le kiffer avec tu sais genre une vraie bande de potes tu vois. Ah je vois. Moi tout à l'heure là, mission d'avant, oh les gars c'est trop cool, je joue avec vous depuis 10 ans et tout. Et lui t'as vu. De tout. Au même endroit. Oh c'est ça. Mais non, ça, évidemment que je kiffe. Moi à chaque fois je faisais le tour en bas là-bas. Pour rien. J'ai vraiment eu une illumination là tout à l'heure là quand on jouait. C'est vraiment GTFO genre. J'ai pas pourquoi, ah ouais, c'est ça qui me revient en tête. Quelqu'un a dit que ça lui faisait penser à GTFO, mais j'ai pas assez joué moi. J'avais pris GTFO juste day one. J'avais juste joué à GTFO. Mais oui, faut qu'on y joue d'ailleurs. Ouais, ouais, mec, j'ai joué il y a 4 ans quand il venait de sortir, ou 3 ans, mais j'ai jamais rejoué depuis. Ok, speedrun, Ryan, t'es avec moi? Je suis en bas. Ok, y'a rien en haut. Top serveur. Pack de bière. Ok, d'accord. Quoi? Derrière le mur, derrière la porte à droite là, il y a un B. Un quoi? J'ai pas trop, mais il a ronronné quand je me suis rapproché de la porte, il a fait B. Ok. Laisse, je vais prendre ça. En fait, non, prends-le si tu veux, ça me va. Oh. Non, on est en bas. En haut, c'est vide. Y'a du loot sur nous, les gars. Y'a du loot sur nous, ouais. Ok. À droite, allez au fond, à droite. Juste à droite, là. Par là où je viens, à droite. Ouais. Mais voilà, j'ai du loot. Ok, ouais, y'a un petit monstre là. Il est sur le. Activez vos talkies. Mais je crois qu'on en a plus, hein. Pas sûr qu'on ait des talkie walkie. Ok, je me perdais pour rien. Le passage pour le vaisseau est par là. Par contre, je ne pense pas pouvoir. Si, je peux même faire le chemin retour. Regardez, j'avais fait un giga détour tout à l'heure. Juste dans la panique, je perds mes moyens et ma logique et mon sens de l'orientation, qui est déjà pas fameux, disparaît complètement. Mais en vrai, regardez, le vaisseau il est juste là. Tout à l'heure, j'avais fait un giga détour. Mais c'était à cause des chiens aussi, maintenant que j'y pense, hein. Ouais, il y avait deux chiens qui ont pop. Walk it like a talk it. Walk it like a talk it. Ouais, Hiro, vu que t'es déjà créateur de contenu, t'as l'expérience et tout, ce serait trop cool de documenter ton voyage en Corée, documenter tes études et tout. Sans que ça empiète sur tes activités principales, évidemment. Y'a eu un mort? Non, tous les trois vivants. Y'a pas l'air d'y avoir de signature thermique à côté d'eux. Il est midi. Est-ce que la moindre personne m'entend à la radio? Non, je suis le seul à avoir un talkie, ça sert à rien. Chicane cherche deux joueurs, si jamais il y en a d'entre vous qui se cherchent des coéquipiers là, go le DM dans le chat. Go le DM dans le chat. Smogogo et Chicane, nice. Go 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 les gars, il vous manque juste une personne en vrai, à 3 c'est parfait, vous avez vraiment pas besoin d'être 4. 4 c'est cool, mais c'est vraiment pas indispensable genre... Moi j'ai invité Ryan parce que c'est mon pote, puis je voulais qu'on joue ensemble, on joue souvent ensemble à plein de jeux et tout.
Mais c'est ça, quand on jouait à 3, c'était tout aussi correct. C'est cool d'avoir aussi une paire de mains en plus. Ça facilite le jeu, ça facilite les missions, tu l'imagines bien. Ah, je suis encore en train de faire mon détour. Inutile. J'espère que vous allez trouver quelqu'un. Walk it like a talk it, walk it. J'aurais dû laisser la lampe ou le talkie. Sachant que... Ah, ils ont pris le radiateur. Le réacteur. Ça, je sens que ça va nous retomber dessus. Je m'attends à beaucoup de choses des lunes niveau 3. En fait, il y a beaucoup d'inconnus, je veux dire. Parce que là, vous voyez, quand on prend le réacteur nucléaire, les radiations montent, mais ça ne nous fait rien. En tout cas, rien qu'on a remarqué pour l'instant. Je me dis, imagine, on arrive sur les lunes 3. On est à l'aise et tout, on prend le réacteur et là, les radiations nous butent. On verra. Ouais, de ouf, Hiro, c'est un excellent contenu. Le contenu s'écrit tout seul, l'histoire est magnifique. Yep, yep, yep. Les gars sont en train de revenir, c'est sûr, ils ont pris tout le loot. Oh là là, ce clutch de la porte, mon gars, c'est terrible. Vous avez fait quoi? Ah, il y avait un monstre qui nous chassait, il y avait la porte de sortie juste... Enfin, la porte d'urgence juste à côté, là. Bien joué. Chris, il est sorti avec un HP, littéralement. GG, waouh. La pénalité évitée. Et on a la pile. Et on a récupéré. Ouais, j'ai capté que vous aviez... J'ai eu la notif même ici. J'ai vu, mec, j'ai eu la notif, GG. Bonne soirée et bon courage pour la Wow, papa Marley, c'est quoi ça? Merci infiniment, mon cher, mais papa, c'est trop. Un plaisir d'avoir eu de tes nouvelles, tu sais que je t'aime et c'est beaucoup trop. Man, j'apprécie, je sais pas comment te dire, mais juste merci, j'allais dire, je sais pas comment te dire merci, si. Merci, papa Marley, pour l'énorme tip, c'est complètement incroyable. Fais attention à toi, prends soin de toi, puis merci de donner des nouvelles et merci pour tout ce soutien, papa. Love you. Love you, love you, love you. Papa Marley n'en est pas à son premier coup de soutien, je vous jure. Merci infiniment, mon cher. Je t'aime. Merci, papa. Ouais, désolé. Écoute, mec. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est cool. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Merci, moi, papa Marley. On a pas assez, les gars, mais. Si, frère. Attends, ah ouais, arrête. Avec tout ça, on n'a pas assez. Mec, je pète un plomb. Et, tu vois pas la pile et tout. Frère, si là, il y a pas la thune, là, je sais pas. J'espère vraiment. Bah, non, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir des trucs très chers, quoi, tu vois. Non, je comprends. Ouais, j'avoue. Love you, Marley. Ça peut le faire en vrai, ça le fait. Ça le fait. Salam Kouteiba. On a ramené 540, on a ramené forcément sans tout à l'heure. Les gars, vous savez c'est quoi les pensées intrusives? C'est le genre de pensées qui me disent: Nabil, va sur une lune, nique la partie. Vas-y, qu'on se fasse tous envoyer dans le sas. Vas-y, montre-nous. Non, non. Moi je te jure, je te retrouve IRL, hein, vraiment. Et tu sais où je suis. Voyage, on fait le voyage, là. On fait le voyage. Aïe, aïe, aïe. Ça se trouve, on va devoir vendre ça en 3 parties tellement on a d'objets de Kaamelott. Hein. J'ai failli me suicider, les gars. Ouf. Honnêtement, j'ai failli le faire aussi. Mec, j'ai failli faire la même chose. Le plancher me paraissait proche. Allez, j'ai failli faire la même chose. C'est quoi ça? T'as trouvé un laser? Mais oui, c'est le laser qu'on a. C'est le laser qu'on a trouvé. Incroyable! Incroyable, frère. Laser, tu l'as trouvé où? Dans le. Dans ton cul. dans le donjon, pas après. C'est vrai. Non, mais c'était pas ça ma vraie question. Ma question, c'était plus genre, il sert à quoi, tu penses? C'est juste à vendre? Je suis sûr, il y a des ennemis qui sont sensibles au laser. Ah, Kaoued, on peut même plus parler, Zabi! Bah, on peut plus manger dans tes vidéos, donc vas-y, hein. On peut plus manger dans mes oreilles, précise. Ah, c'est full. Faut appuyer sur... Fais gaffe, t'es chargé, hein. Fais gaffe, Ryan, t'es chargé. Tu pourras pas l'esquive autant aussi bien. Du coup, on fait quoi? On le garde, le laser? Bah, en vrai, on peut essayer, non? Oui. Ça dépend si ça suffit ou pas, tu vois, genre... C'est vrai. Oh, mais on est large niveau quota, waouh, on a déjà fait 500. Ah non, il l'a posé. Il l'a 100% posé, le laser. Rip. C'est pas grave. Il a 100% posé le laser. Bah ouais, c'est pas grave. C'est le destin, j'ai envie de dire. Ah, c'est rien, c'est la rue.
Voilà, Boubou, en plus, à chaque fois que je dis des gros mots, je me sens mal. Je me dis, il y a des gens, ils regardent avec leur famille, avec leur femme et tout. Chaque gros mot là, je le paye mentalement dans ma tête. Je me dis, ah, les pauvres. Mais c'est pas moi, c'est vous le problème. Quelqu'un a entendu Ryan depuis un moment, j'ai l'impression qu'il nous entend pas. J'avoue, hein. Si, je suis juste. Il est en train de fumer. Quoi ? Hein ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a dit pourquoi t'as vendu le laser, il t'engueulait. Quel laser ? Ah, alors là. Ah, bah, je sais pas, j'ai juste cliqué tout à l'heure, gros, de ma bonne. Vas-y, c'est full encore là ou quoi ? Ouais, full, j'attends. Vas-y, attends, j'appuie. Ok. C'est un truc de ouf le jeu, hein. C'est un truc de ouf cette session qu'on a fait aussi, wow, les gars. On est tellement large. On a 300 balles de plus. On a eu peur pour rien, ouais. Il reste du truc à ramener. Ah oui, il faut acheter des trucs. Je vais acheter des non, trucs. Non, je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est bien là. Je vais prendre... On a besoin de deux pro flashlights. C'est vrai. Hein. Pourquoi deux? Je pensais qu'il nous en manquait deux là. Ah, ouais. Toi t'en as une, là il y en a encore une là, on en a trois en tout là. Ah ok, bah on en aura une extra, mais oui Pyro, tu disais les talkies c'est pas si nécessaire, ça prend trop de place, c'est ça? Bah en vrai je pense un par binôme, tu vois, genre ça suffit quoi. Ok oui, on économise déjà deux slots si on en a que deux. Ouais ouais, c'est ça. Un par binôme. Avons-nous deux talkies ou un? Ok parfait. On en a un là dans l'armoire. Ça dépend, on est large niveau de chute pour la planète ou pas? On est large, oui oui. On est très large, ouais. On a aucun stuff pour contrer les monstres. J'avoue, c'est quoi la commande storage, hein? Ça dit peut-être ce qu'on a en stock, storage. Ça dit peut-être l'inventaire. C'est ce qu'on a dans l'armoire. Ouais, ouais, c'est ça. J'avais jamais utilisé la commande storage. Non, Dasigi, tu peux garder du matos pour le prochain quota. Tu peux garder du matos et le revendre pour le prochain quota. On a déjà fait ça auparavant. Genre, tu fais juste le strict minimum. Genre, tu donnes 700 et tu gardes le reste pour le prochain quota. Absolument, absolument. C'est une stratégie viable. Pépé. Ouais. Moi je suis pour refaire, on fait une lampe, un toki, une pelle, tu vois, genre... Vas-y, ok, c'est bon. Bah faut commander deux pelles. Ah les pelles, ouais, ok, les ouais. On a plus par contre. Deux pelles, enfin deux pelles ou trois comme vous voulez. C'est commandé. Je vous voulez taper les monstres alors que la plupart du temps... Je te jure, on va à une lune niveau 3, les gars, ils veulent se battre. Moi, mon petit doigt, il est déjà sur la touche shift. Le truc c'est, regarde, là on a croisé un petit truc qui te saute à la gueule. J'ai rien trouvé au top là. Si, là, y'a un toki là. On a déjà testé hier Snapcap, pas maintenant, là on a besoin de l'argent. Mais le téléporteur est cool et tout, mais comme ça va juste être pour une démonstration de 5 secondes, on va pas l'utiliser. Tu peux téléporter n'importe lequel de tes alliés au vaisseau, mais il drop tous ses items, donc... Par contre, ce qui joue, les dégâts, je veux juste qu'on fasse les priorités, tu sais, ce qui coûte de l'argent. Et après, quand on aura de la fuck you money, comme ils l'appellent, quand on aura de la fuck you money, on testera. Parce qu'on peut acheter des lumières d'ambiance, on peut acheter tu sais, des petits trucs décoratifs. Mais vas-y, c'est la première fois qu'on va aussi loin dans le jeu. C'est vrai qu'on pourrait prendre une échelle, les gars. Vous êtes chaud pour une échelle? Allez, bah on sait pas ce qui nous attend en fait. Si ça se trouve, on est juste bloqué. Mais ça prend de la place dans l'inventaire, l'échelle. J'ai la flemme en fait. Non, non. Imagine là-bas. On est obligé de l'avoir pour avancer dans un truc, mec. Ok, enfin, ok. On va imagine ça nous carry, genre. Ok. Ouais, ouais. Mais tu vois, parce qu'il y aura peut-être des nouveaux trucs dans le donjon, tu vois aussi. Absolument, absolument, on va voir. On connaît pas, tu vois. Et on doit repayer à chaque fois ou ça la débloque et on y va quand on veut. La planète, bonne. Non, c'est par voyage. Je pense qu'un voyage c'est 550 balles, 600 ou bien 700. Mais attends, il y a intérêt à ce soir rentable. Exactement, quoi. Elle a intérêt à nous ramener au moins 1000 balles, ça veut dire la planète. Hein. J'espère voir des nouveaux items et tout. Ou alors que des lingots d'or. Yes, sir. Là, cette fois-ci, c'est la bonne. Ça, c'est la fois où on va vraiment à la moon niveau 3. Ah, je pense que j'ai de la gueule, non? Tu viens de m'insulter en morse là, Pyro, j'ai capté. Non. Prêt à partir, guys? Je décolle. Prêt à partir. C'est le moment de vérité. Moi, je prends le Toki dans l'équipe. Je prends le Toki Bell. Parfait. Il manque un Toki là. Il manque un Toki. Ah, ok, parfait. Parfait, c'est bon, Ryan. Tu seras notre. Qui prend l'échelle? Vous ou nous? Vas-y, prenez-le, vous l'avez utilisé tout à l'heure, vous êtes plus à l'aise avec, je pense. Bah non, mais justement, je pense que... Ouais, on l'a utilisé une fois.
essayez, bah, on l'a abandonné lâchement, mais bon. Ouh, petit 6-9, nice. 6-9 la trick. Ouais, vas-y, vas-y. QA196. Ah ouais. Ouah, le quota. Mec, easy, on l'a fait juste avant, on a fait 900 et quelques. Ouais, en sûr, on l'a fait quand même, frère. Eh, hey, Twitch, vous avez une prédiction en cours, là, à vos points de chaîne. Vous avez une prédiction en cours. Et en plus, c'est dans l'inconnu, la prédiction. On a assez pour niveau 3. Ouais, c'est déjà envoyé, chef. On est déjà sur la lune niveau 3, là. Venez voir comment elle est stylée, regardez, waouh. T'as vu? Waouh. Ah ouais, il y a 3 pixels là. Exactement, ouais. C'était ça la blague. Hop, j'ai pré-shoot les commentaires de YouTube. excusez-moi, c'est ma carte de capture qui a grésillé. Et donc quand tu manges pas, tu fais des unboxings en live, c'est ça? C'est vrai. C'est pas moi. Ah non, ça c'est... Oh, ma bad. C'est pas un unboxing, ça je reconnais, c'est une feuille slim XXL king size. Ah, une bonne indica des familles. Du coup, je suis gris pour connaître les prochains sens, c'est bon. Ok. Bah attends, okay. En vrai, focus parce qu'on va y aller. Donc, ouais. Prêt. Moi, en vrai, j'étais en train de tuer le temps pour que les gens finissent la prédiction là. Parce que je veux pas qu'ils... Non, en fait, si, ils peuvent voter à la dernière minute, ça fait partie du délire. La prédiction est ouverte encore une minute. Au niveau du Tosma des binômes, c'est comment? On a chacun lampe, Toki, pelle. En fait, vous faites comme vous voulez, vous prenez le matos que vous voulez, mais vous assumez. J'ai une pelle, Ryan, toi, okay. T'as juste une lampe, Toki. Moi, j'ai lampe et pelle. C'est bon, parfait. Et en vrai, j'abandonnerai la pelle. Si je vois qu'il y a du loot de ouf qui vaut cher, j'abandonne la pelle et je me casse. Vas-y. Moi, j'abandonnerai Toki pour pas vous entendre. Moi, j'abandonne Chris. Ok les gars, pariez vite vos points de chaîne parce qu'on va partir dans 5 secondes et la prédiction elle sera coupée à la seconde où on atterrit. Je vous le dis, n'attendez pas genre la dernière seconde, ça se peut qu'on la coupe avant. C'est à dire que vous n'aurez pas d'infos ceux qui attendent la dernière seconde pour parier là. Pariez maintenant, on vous laissera pas avoir d'infos parce qu'à la seconde où on touche sur la planète, on coupe la prédiction. Donc que vous votiez maintenant. T'imagines la planète, on voit des raptors partout. Yo. Allez, vous êtes tous prêts là? Rechargez vos affaires si c'est pas déjà fait. Pensez à allumer votre Toki aussi. J'ai envie de saboter l'équipage les gars. Et je vote là maintenant. Allez, j'atterris, vous êtes prêts les gars? Ça c'est... Waouh, c'est la première fois. C'est quoi la prédiction? Une petite danse, les gars. Petite danse pour se mettre en ambiance. Petite danse. Il y a mon PayPal si vous voulez. allez, faites des dons, Pyro il va danser. Moi je prends l'argent. Hell yes, Andrew, tous les jours mon gars. Il y a de l'Indica, il y a de la Sativa, il y a tout ce que tu veux. Il y a de l'hybride. Il y a de la viande, bon, on atterrit. Allez. Tout sympa. Good luck, allez, have fun guys, bonne chance, nous y voilà. On voit l'entrée. Attends les gars, ok. Ça commence bien. Je cours vers l'entrée. C'est une naine blanche la planète, la lune pardon. Oh, par contre c'est des lumières là-bas. Oui. Ouais Ryan, je suis avec toi. On est ensemble Ryan, y'a pas Chris et Pyro, ils sont tout seuls. T'es sûr t'as vu l'entrée ici? Parce que là, c'est la fin de la map et la mort. Hein. Elle était en haut. Ok. Elle est là. Ah, on peut pas monter? Si. Pas, ou pas? Si. Ah, c'est une sortie d'urgence! Ah, mais c'est sûr que. Si, on peut peut-être. Ah! Faut pas qu'on perde trop de temps. Non, c'est mort. C'est mort. Bah, ma base, c'est tout ce que j'ai vu, c'était ça. Oh my god. Parle-leur à la radio, dis-leur s'ils ont trouvé l'entrée, mec. Parce que là on est baisé. Est-ce que vous avez trouvé l'entrée? J'aurais jamais dû suivre Ryan, il est en train de rouler une Indica, qu'est-ce qu'il sait lui? Il a dit faut suivre les lumières. Quelle lumière? Faut suivre les plots lumineux à côté du vaisseau. Ok bah viens on retourne au vaisseau. Dude, c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que t'es sûr d'avoir vu l'entrée? Oh bah gros, il y avait une porte, on est d'accord, on n'a pas juste pas réussi à rentrer dedans. On est toujours dehors, on cherche comment rentrer. Ok, je crois que je vois la lumière là-bas. Ouais, c'est bon. On a capté les lumières. Ouais, je suis là. Ok, à droite, il y a la lumière à droite, derrière. On est parti à l'opposé, mais c'est pas grave, c'est là. Attends, Bilo, attends, je suis pas avec toi. Je viens, suis les lumières. C'est moi, je suis.
Vous gérez les modos, j'ai rien vu du backseat, merci. Honnêtement, je pense aussi les modos. Vous devriez même plus réagir, genre juste time out celui qui backseat. Mais genre plus besoin de dire à chaque fois arrêtez de backseat ou quoi. Juste time out la personne, mais laissez pas genre la personne qui backseat à chaque fois impacter le chat, impacter le live. Genre juste time out lui et on en parle même pas besoin de mettre la commande ou quoi. Juste dude, c'est une personne, il y a 1000 personnes qui regardent le live. Il y a une personne qui ouais, backseat en la time out, on l'ignore. En train d'arriver, t'inquiète. Ouais, ouais, c'est bon, ah, on est là. Ils sont là, ça y est. Eh les gars. B. B. On est parti à l'opposé, désolé. Wow. Attends, on a fait un checker, je fais juste un checker. Les gars. Ah, il est monstre, il est monstre. Il y a un monstre, il y a un monstre. Il est là, en bas. Info. Il est là. Il nous tue ou pas? Oui, il nous attrape, il nous bute, moi je monte. Le manoir de Resident Evil. Pourquoi il était juste derrière la porte, frère? Il m'a enculé. Parce qu'il voulait me ken. Ah, j'arrive pas à bouger, wesh. Les gars, faut qu'on okay, ouais, le 4v1. 4v1. Mais on a qu'une pelle. On va mourir, ouais, on va mourir, on va mourir. Mais on va jamais le tuer, frère, il est trop vénère. Il faudrait... C'est là que le zap aurait été utile. On l'a déjà tué avec lui. Moi je dis avec lui, okay. On a déjà... Ok, ok, ok. Bah vas-y, rentrez vous deux et on vous suit, Chris et moi, vous faites le bait. Mec, t'as mis des coups avec quoi? T'as pas de balle. Ok, attendez les gars. Ok, les gars, vite, les gars. Pyro et... Ah non, Pyro et Ryan rentrez. Chris, toi et moi, on va direct après Ryan. Go Ryan. La vie de ma mère, c'est pas une bonne idée. C'est bon, il est mort. C'est le démo Gorgon. Allez, rentrez. Rentrez, il est mort. Okay. Near activity detected. Les gars, dehors, ça dit qu'il y avait de l'activité. Hein. Dehors, ça dit qu'il y avait de l'activité, les gars. Ça dit qu'il y avait de l'activité dehors. Vas-y, on va là où c'est. Là où... T'es avec moi? Ouais, y'a là. Moi, j'entends d'autres bruits, hein. Ça me clame. Mec, ça me fait penser à l'univers de son autre jeu. Viens, Ryan, s'il te plaît. Pourquoi tu repars à l'entrée? Il a moi le dit qu'il y a la suite du donjon là. Mais y'a plus rien, arwah. J'avais pas vu ça. Allez, voilà, excuse-moi. Toutes mes excuses. Voilà, je suis désolé. Je m'excuse. Non, viens. Non, viens. Ouais, ils sont en haut, viens. T'inquiète. On le gère. Il a peur de nous. Oh bah Jacquard. Salut les gars. Y'a le mec à plume là-bas, Pépé. Ah putain, lui nous bute. Faut pas le regarder trop longtemps. Faut pas le regarder trop longtemps, les gars. Il est 14h minimum. Les mecs, pitié. Ok, vu. On dirait l'univers de son précédent jeu, quand j'ai vu la page Steam, ça ressemblait à ça. L'ancien jeu du mec, je sais plus comment ici, il s'appelle. Y a rien. C'était comme ça, la découverte. Bon, moi je propose, on monte. Avec ces couleurs là et tout. Ouais, je suis chaud, ils sont pas montés, je pense. Il doit être déjà bientôt 15h. Hein. Ok, j'ai trouvé un peu là vite fait. Lourd. Ah oui, je l'avais laissé ici sur le biscuit. Je vais à l'opposé, moi, Ryan. Tape-le. Quoi? Sarakazit. Attends, viens, on a une loot, j'ai pas de loot, frère. Je suis là, tu ma voix. Ya rayah win msafir trouh ta'ya ou tourli. Khlas, y'a rien ici. Putain, c'est ça la lune niveau 12? Y'a aucun loot dedans? T'as rien trouvé ici, Ryan? T'as tout foutu? Y'a un srakzit, srakzit. Viens, Valken. Après, je suis parti. On rentre. Il nous faut du loot, mec. Il nous faut au moins un. Y'a rien, frère. Répète, j'ai pas entendu. C'est sur eux le donjon, hein. C'est eux qui ont le donjon. Il a dit, j'ai pas quoi de stuff. Je pense. Mais il l'a pas répété après. Ok, moi j'ai plus de lumière bientôt. Ah, pardon. Non, mais en fait, j'ai rien ici. Les gars, on sort. Ok, on sort, vas-y. On a rien trouvé, les gars, on a exploré tout, y'a rien. On est à l'entrée, vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui. On est là. Elle est blindée, les gars. Ah, ok, mais on l'a pas trouvé, elle est où? Elle est en bas. Okay. Vous voulez retourner ou quoi? Je suis chaud, mais vous allez au donjon. Ryan, viens. Elle est là en bas à gauche. Ryan, viens, nous on y va. Ah, il y a le monstre, fais gaffe, Belek. Éclaire-le, mais ne fixe pas trop. Il est juste à droite. Elle est où la salle par contre?
À gauche ou à droite, tu sais. Putain. Pourquoi je saigne? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du sang par terre. Il marche ici, éclaire-le hein, parce que sinon il va me ken. Attends. Mais moi j'ai bientôt plus de lumière. Passe en avant, Hamouel. Passe en 0%. Avant, tu restes derrière moi, lasse-toi la lampe. Vas-y. Ma batterie à 0, gros. Oh ah. Putain, il est là. Il est là à gauche. Ah, viens, on se casse. Parce que ça, il est 18h là. On aurait dû tous partir ensemble. J'ai plus de lampe. J'ai plus de lampe. Bon, on est mort. J'ai les. Eh merde. Check, est-ce que vous êtes encore en vie? Check, est-ce que vous êtes encore en vie? Putain, ils sont morts ici. Ouais. Viens, on va suivre les lumières. Ils sont où déjà? À gauche. Viens là, à gauche. On se sépare un tout petit peu, toi, à gauche, moi, à droite. Comme ça, si un ou deux meurt, c'est pas les deux. Ils viennent d'arriver au truc. On a perdu trop de temps au début, mais c'est pas grave, on découvre. Hein. Voilà, il est 7h, gros. Je sais même pas comment il n'y a pas de monde dehors. Chut. Il y a le géant. Il y a un monstre à côté du vaisseau, il est à la sortie, les mecs. Les gars, j'ai une lampe tout ce temps-là, j'ai même pas réalisé dans la panique. Il peut choper. Ils sont deux. Nabil, il y a deux monstres à côté du vaisseau. Deux monstres. Entrez. Il s'est retourné pour me regarder. Il s'est retourné, ce fils de pute. Ah non, laisse-moi, il va mourir. En fait, on va prendre une amende. Nabil, il est en train de clutch là. Non, il est en train de clutch là. Non, mais là, faut le laisser faire sa ronde le monstre là. C'est moi qui l'aggro là. Bah, justement, on recule. Mais j'arrive pas à le perdre. Prépare-toi à fermer la porte. Y a Nabil, prépare-toi à fermer la porte, y'a Nabil. Oh my god. On décolle hein. Yo, à un moment j'ai parlé les gars, j'ai juste dit je suis là, il s'est retourné pour me regarder, le monstre il s'est retourné pour me regarder. J'étais choqué frère. C'est chaud. On a fait 80 PO. Rien fait. On a fait 80 PO. On a fait 45 PO. Moins rentable que la lune numéro 1. Aïe aïe. Putain. On a mis 1000 ans à vous attendre. 1400 PO, oui, désolé. C'est parce que, moi je vais te dire, on est arrivé. Putain, Ryan il m'a fait. Je sais, j'imagine vous êtes perdu. On n'est pas perdu. Il a dit, c'est par là. Je l'ai suivi. Et c'était une porte de sortie d'urgence. J'ai trouvé l'exit. Il y avait une sortie d'urgence. Mais on était incapable de le rentrer. Mais nous on l'a vu hein, de loin. Il y avait 1400 PO à looter. Wow. Mais t'imagines? Mais est-ce qu'on a l'argent pour y retourner? Putain, Chris, je suis deg. Oh là là. Mais en plus, je peux pas sprinter avec le. Avec la lampe que j'ai dans la gueule. Et putain, mec, il s'est retourné, il m'a graille quoi. Genre, je suis trop deg. Oh, putain, c'est trop dur. Yo, les gars. Les gars, j'ai une proposition. Oui. Mais en fait, non, c'est pas une proposition. 400 en... J'allais dire, genre, est-ce qu'on va vendre? Ensuite on va sur la lune niveau 3 en mode kit ou double. Mais non, ça sert à rien parce qu'on fera même pas le quota. On a rien à vendre en fait. On a 3 trucs à vendre. Là on peut pas y retourner à la lune niveau 3 genre. Non, on a pas assez d'argent mec. Si on veut y aller, faut qu'on vende. Et après il nous restera un seul jour. En vrai, attends. Il y a un truc parce que aller sur la lune, t'as dit c'est 550 balles. Il y avait quoi, 1400. C'est pas rentable, autant faire les petites. Il y a des petites mecs, on ramène 600 hein. Ouais, parce que 1400 on va jamais sortir les 1400. Non mais c'est trop risqué. Moi j'allais proposer une mission suicide. C'est-à-dire gaspiller un jour à les vendre et ensuite aller sur la lune niveau 3 et risquer de rentrer bredouille et de wipe. Mais ça sert à rien de ruiner notre partie. Non, ça sert à rien de ruiner notre partie. Regardez, on la joue safe parce que moi je veux pas qu'on... Parce que le truc c'est que si on wipe, je sais qu'on va pas rejouer au jeu. On va pas recommencer à zéro. Pas de sitôt en tout cas. Donc venez, on save notre game. On va faire le quota sur deux planètes niveau 2 et on retournera à la planète niveau 3 au prochain quota.
Moi, prochain jeu, de toute façon, c'est GTFO, je pense. Voilà. Ah, oh, là, ça fait plaisir. Attends, mais je pense qu'on peut juste réattirer sur la lune. Il a raison, Isaac. Faut juste regarder c'est quoi la condition, par contre, hein, j'ai peur. Mais, en fait, le truc, c'est qu'on orbite autour, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas, tu vois. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf, vous avez raison, les gars. On est sur Dine, j'ai rien dit, on y va. Par contre, on peut parler du play of the game ou pas? Bilou qui est 1v1 un monstre. Yo. Ta. J'ai dégommé mon gars, je suis rentré. J'ai eu des gros coups de pelle. Bon, moi je suis rentré, j'ai mis un coup, je me suis fait tacler, j'ai fait vas-y, je me casse. Ok, c'est... bon bah vous nous avez sauvé là, tu nous as sauvé Isaac, bien vu. Alors on y retourne les gars, vous êtes chaud? Yes. Chargez vos affaires. Vous avez un toki ou pas? Vous avez un toki ou pas? Non, moi j'ai tout rangé. Il est où? Pas de toki pour nous les gars. T'es content Bilou? Pourquoi? Ouais, attends. Du coup je disais t'es content? Bah heureusement que t'as un casque quoi, j'ai ramené plein de dentifrice pour toi. Ah parce que je pue de la gueule. Y'a le filtre à air dans mon casque. T'inquiète. Ouais voilà, reste là-bas là. Allez allez, on atterrit. Là à côté. Ouin. Oh, les gars. Ah le puant. Ah le... Yo, j'avoue que... Allez allez les gars. Ça aurait pas eu de sens de... Elle est là-bas la sortie qu'il a vue. Il pue trop. Ouin. Mais bon, s'ils veulent pas le manger. L'haleine lacrymogène. C'est pour ça que tu t'as réussi à lever un verre en fait. Tu lui as juste soufflé au nez en fait. Il m'a tourné le dos, il s'enfuyait frère, il en pouvait plus. Ok, ok, elle est stylée la planète. J'avais peur honnêtement que ce soit comme les autres donjons, mais avec un monstre différent ou quoi. Mais c'est complètement différent et je suis trop content. Et il y a deux autres lunes de niveau 3 qu'on n'a pas vu hein. Terrifiant. Mec, imagine ces lunes. Là, dis-toi que ça, c'est les conditions favorables. Imagine s'il pleuvait ici, ou s'il y avait une éclipse, ou ces conneries-là, là. Terrible. Ah, les mecs, c'est terrifiant. Ryan, tu m'éclaires et je tape. Vas-y, on va à gauche, lumière. On va à gauche, les gars. Red Soda lourd. Vas-y, on va à droite, nous. Y'a là, Ryan, on va à droite, non? Yallah. J'ai une lampe après, hein, pour après, j'ai oublié que j'en avais une tout à l'heure, j'aurais pu l'utiliser. Vas-y, parfait. Y'a R. Y'a R, ok. On va... Ils sont allés à gauche ou ils sont allés en haut? Ils sont allés à gauche. On est restés en bas. Il faut qu'on trouve la grande salle de loot, les gars. Le problème c'est que si on la trouve, on pourra même pas leur communiquer qu'on l'a trouvé, ça qui est chiant. C'est pour ça que les talkie-walkies sont indispensables sur cette mission. Une porte, première fois. Non, Dassi, on n'a pas essayé. Non, parce que après minuit, le vaisseau il part sans toi et t'as perdu. Tu peux pas attendre le matin, ce serait trop facile. Wesh, mais y'a R. Ouais, mais c'est ça, c'est fait exprès. J'ai entendu. Hein. Ouais, moi aussi, gros. C'était j'ai pas ni moi ni toi. Y'a un soda à gauche. Regarde-leur. Regarde-leur. Le soda, j'ai pas réussi à le ramasser. J'ai pas réussi. Hein, pourquoi? Pourquoi ils partent? Pourquoi t'as pas réussi à le ramasser? 10h30, les gars. Ok, vous avez pris le soda? Soda et oui, et une caisse enregistreuse. Okay. On y retourne, nous. Qu'est-ce que vous avez pas looté, les gars? Moi, j'ai besoin de. Bah, ici, venez. On a pas été à droite, là. Ok, on viendra. En bas, à gauche, ils ont été. Mais viens, on continue d'explorer. Ouais, ok, bah alors, on va avec les gars, c'est eux qui ont le loot encore. Classe. Ah, j'ai eu peur de mon ombre. Ok, à gauche. Ils ont dit on n'a pas été à droite ici, je pense. Ok, bah je te suis. C'est bouché, cul de sac. Okay. On va les rejoindre. Et devant là. Devant il y a quoi? Qui c'est là aussi? Ok, bah on les rejoint alors. Ouais, c'est sûr, il y a une grande salle. J'ai juste les voir au fond. Ah, il y a une mine. Ok, Bilou, moi ça se continue. Je sais pas où eux ils sont où, mais. Ils sont là. Les gars, vous avez du loot? Non. Là, il y a un truc, il y a une clé, frère. On va aller à la porte. Vas-y, on va à la porte. T'entends la mine? Ouais. Viens, il y a de l'escalier, il y a une porte, ouais. Locked, il y a besoin de. Ah, mais ils parlent de cette porte-là, je pense, les gars. On a une clé. Allez, sur nous. Il y a une porte. Il y a un soda là-bas, c'est 4, 50 balles. Mais on peut venir avec vous si vous voulez. Non, c'est un parfum. Parfum.
Vous êtes en haut ou en bas? On est en haut, mais elle est en bas la porte ici, là où je suis. Elle est là. Ok, bah, okay on arrive, c'est bon. Viens, Ryan, viens. Ok, mine. Fais gaffe, mine à l'entrée, les gars. C'est qui a le claque merde là? On prend un... C'est moi. Soda, là y'a un. Y'a une autre mine au fond. Oh, y'a une tourelle. Tourelle, elle tourne, attention les gars. Éclaire là, s'il te plaît. Elle fait 180. Ouais. Je suis en haut. Mais t'as pas d'ombre toi? Quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est le monstre qui explose les têtes là. C'est Slenderman. Putain. Oh putain. On reste ensemble, Tourelle. On se casse les gars. Il est là. Nique comment. Oui, Nabil, vas-y continue. Ken-le, il bouge plus. Niquez-lui sa mère. Ok, les gars, calmez-vous. Il y en a un autre. On se casse, on sort. Il faut le regarder, le Slender. Regardez-le. Ok, je le regarde. C'est comme un ange pleureur, genre. Scannez-le, il faut qu'il le scanne, putain. Mais on sait là, c'est comme un ange pleureur. Il a un cafard sur la tête. Ça va, Nabil? Abdoulaye, Chris. Et on perd tous les gars. Aïe. Le Slender, il est invincible. Eh ouais, il est invincible, faut juste le regarder. C'est un ange pleureur, faut que quelqu'un le fixe et les autres ils font le taf quoi. Bah, je dis c'est un ange pleureur, peut-être pas là, mais c'est juste ça m'y fait penser. Par contre, c'est trop dur. Là, il y avait trop frère. Il y avait le gros PP, je pense, qui s'est pris un. Oh, je suis un employé. J'ai percé au niveau d'être un employé maintenant. Let's go. Je suis plus. Il a perdu la lampe, il était tout noir, frère. Juste. Il y en a un, il avait un cafard sur la tête, ouais, un crabe. C'est moi, et en plus, c'est le seul qui avait la lampe du binôme. La lampe elle était par terre et je tapais dans le vide comme ça, mec. Je voyais. Putain, bah en fait, là les gars, j'ai pas envie de vous faire paniquer, mais notre seul moyen de gagner, en fait, on a perdu, mais notre seul moyen de nous sauver là, c'est de retourner sur la même lune et de looter 900 balles. 1400 balles. Non, 900 balles. 900 balles. Faut ramener 900 balles. Ouais. 900 balles sans mourir, sans que personne ne meure. Non, mais fort. Confiance, les gars, confiance. Après, non, si quelqu'un meurt, ça nous baissera pas le prix de vente. C'est juste ça nous donne une amende. Donc, si on meurt, c'est pas la mort non plus. Prenez une clé, les gars, il y avait des portes fermées tout à l'heure. Ouais, j'avoue, c'est bonne idée. Ok, bah alors. Ah, bah tiens, y'a le. Huff and Puff. Attends, vas-y, prends-le. Prends-le. Mais là, mec, comment tu. Enfin, c'est tellement dur. C'est chaud, hein. Vous êtes prêts? Chaud, frère. Vous l'êtes pas, mais on y va. Ouais. C'est Zapper, mec, qui nous manque dans notre vie. Je vais Huff, je vais Puff. Je veux m'envoler, frère, me mettre sur les étagères et bonne chance. Wouah. En vrai, par contre, les gars, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit je ne rejouerai pas au jeu de si tôt. Mais le endgame m'intrigue de ouf. Genre, si on wipe, je veux recommencer. Pas aujourd'hui, hein. Mais genre, je veux pas abandonner le jeu après qu'on wipe cette game. Le endgame m'intrigue trop. Genre, comment ça, on a fait aucune des trois planètes. On a jamais réussi à s'évader. Il faut qu'on réussisse. Ah ouais, ça se dope. Ça se dope là. Oh, super. Ok, on prend à gauche les gars. On prend à gauche peut-être. Mais mets-le dehors, il fait trop de bruit, mets-le dehors. I don't know what the fuck. Je sais pas frère, je vois flou un peu là. Je vois flou là. Y'a rien ici. Y'a rien à gauche. Wow, c'est de la bonne les gars, sa mère. Les refs, vous êtes. Y'a air à gauche. On est bien à droite là. Tu vas le voir bientôt, Isaac. Ah, mais on en a un nouveau. T'es là. Quand on finit un quota, on en a un nouveau plus gros. Moi je suis à l'entrée. Ok, on y est aussi là. Ok, j'ai pas fait en haut encore. Nous non plus. T'as fait en bas, y'a rien.
Bah on monte. Ah bah yes. Les gars, on monte. Lourd la communication. Mine à droite. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui est en train de se droguer? C'est moi, je m'en fume mon gars! Tu crois que c'est qui? Ah ouais! Qu'est-ce que c'est? Oh, ça va! Quoi? C'est de l'hélium! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'entendez drôle? Attends, mais prenez-en! Hop! C'est trop drôle! Yeah! Plus! Fais-en plus, t'en as pas fait assez! Ok, tiens! J'en ai pas fait assez! Ah, il y en a plus, frère, vas-y. Je suis gagné, j'arrive. Je suis gagné. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Mais moi, je pense que ça nous rend insensibles. Il y a un cafard. Mec. Wesh, il a un tableau, le cafard, c'est un artiste. Tabasse-le. On peut pas, frère. Mais c'est un ouf, le grillo. Oh, mais je peux pas lui voler. Je peux pas lui voler le tableau, donne-moi ça. Les gars, je vous pète. Il l'a tué. Regarde, il est là. J'ai le tableau. Oh, non, il est pas content. Je sors. Oui, ah, Pépé, t'es mort, j'ai vu. Non, pas moi, frère. Il sort. Oh, il a survécu. Mec. Ça vaut combien cette merde? J'ai vu la mine, j'ai reculé, mais il était trop tard. On a même pas une telle. On re-rentre après. Aïe. Ah ouais, non, mais il est vénère. Qu'est-ce bah, les couilles, j'attends. Oh, il m'a pas fait un crapateur! Je pensais que bébé partait. J'ai vu la tourelle! Attends, yo, c'est un seul développeur, Marco, il a 21 ans. Aïe aïe aïe. Regarde Pépé! Je suis mort, hein. Tiens pour Nabil. Il est insupportable, c'est le cafard, t'es à Mars attaque. Oh là, l'araignée. Oh, il a sauté dans des toiles d'araignée. Il est mort. Mais on dirait qu'il a pas activé la toile, hein. Parce que quand tu l'actives, elle disparaît. Mais lui, la toile, elle est restée là, c'est bizarre. On dirait que ça a bugué. Il a pas activé la toile. Je te jure, le J, le contenu. Il y a un petit truc là-bas, c'est un claque. Un claque merde. Par contre, en vrai, non, ils sont là, mes coéquipiers. Bon, là, ça fait du bien. La liste des joueurs. Nice. Elle est dans l'escalier, je l'ai vu. Mais en vrai, c'est cool. Le pyro, il explore le donjon pour nous. Ça nous permet d'en voir un peu plus. Donnez-moi la sortie, pitié. J'allais dire, je le kiffe le donjon parce que c'est moins oppressant que les donjons SCP. Mais c'est vrai que c'est un labyrinthe, c'est fou. Imagine pyro, il clutch. Moi, il trouve un item à 800 balles. Oh, c'est fort. Il a déjà pas mal d'items, hein, le dentifrice, la loupe. Ouais, et deux fois plus de rire, c'est bien. On a sorti pas mal d'items aussi. On a chopé le tableau, bah, je pense que t'as vu. Ouais, j'ai vu. 75 balles, frère, c'est pas triste. Il y a l'araignée. Oh, il est fermé. Je suis mort. Ah ouais, là, pile dans l'escalier. Je suis mort, hein. C'est quoi le... C'est terrifiant. Y'a un nouveau monstre ou quoi? Ouais. C'est lui. Oh mon gars, le clutch. C'est terrifiant. Non mais c'est sur les gars, moi je crie pas. C'est terrifiant, j'ai pas crié entendu là. Le jeu il t'a entendu, frère. Bon, GG quand même. Mais tu peux rien faire, l'araignée elle campe. J'ai jamais vu un campeur autant. Mais va jouer à Call of Duty l'araignée, c'est une folie, frère, faire ça comme ça là dans l'escalier.
dans Senzu. Merci beaucoup, welcome back Senzumo, merci mon cher. Bon. On assume, hein. On assume les gars. On connaît, on sait ce qui va se passer, hein. On assume les gars. On connaît les conséquences de nos actions. On sait ce qui nous attend. Du coup, il faisait quoi? L'hélium, il faisait quoi, by the way? Merci Sifen. Merci, merci. Attends, attends, pas encore, Chris, pas encore, pas encore. Attends. Revenez, 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 c'est pas fini. Ah ouais, c'est pas fini. J'avoue, j'avoue, on est là, on est là. Merci Sifen. Ah mais dans tous les cas, on est mort. Tu fais du vrai plaisir, c'est ça? Yo, tout à l'heure, il y a eu un 100 mois d'abonnement Snapcap et il y en a un à 125, gros, c'est nimp. Non, je pense qu'il s'en va là, je pense qu'on s'en va cash. C'est vrai qu'attendez, on peut peut-être regarder le PCR en vrai avant de se tuer. Ouais. Y'a rien de nouveau, on n'a pas scanné, on n'a pas scanné. On n'a pas scanné les monstres, on n'y a pas pensé. Merci mon cher Sifen. Merci, merci, merci. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulallah. Chris. Moi, Chris, je vais pas je vais convertir Chris. Allez, allez, allez. Bon, les gars, c'était vraiment incroyable. Un 3 heures magique avec vous. Les doigts, les gars, les doigts. Pourquoi moi? J'ai rien fait. Mes frères du doigt. Pourquoi moi? C'est toi le fautif. Non, c'est toi le fautif. Non, c'est pas moi. Eh, hey, salut, on est à côté. Aïe 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 aïe. Chris Benbouzid. C'est plus Chris. Rouya Brahim. Aïe 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 aïe. 24 jours. Des 20... c'est beau les gars, c'est beau. 33 morts. 1000 pas. Aïe 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 aïe. On a perdu des calories mon gars. On a perdu, perdu des calories comme jamais. Shut the fuck up. Bon bah les gars, merci beaucoup pour votre service. C'était incroyable. On remet ça par contre, c'est pas la fin. Moi je suis pas satisfait parce que il faut qu'on on arrive au bout des tiers 3. Hein. Ouais, grave. Au moins qu'on survive à une tiers 3. Ouais, on rejoue soon. On se dit ce week-end ou quoi? Ce week-end si vous êtes là. Carrément. Cette fin de semaine, n'importe quoi. Vendredi, samedi, dimanche, on se captera. On se on s'écrit. T'es là toi ce week-end? Oui, moi. Oui, je pars le week-end d'après. Ouais, non, Nabil. Ouais, ouais, je pars le week-end d'après, pas celui-là. Ok, ok, bah je on s'en repart. Moi, du coup. Pas de stress, au pire ça pourra aller la semaine d'après, t'inquiète, aucun stress. Ah, sale chien! Ah, sale chien! Ah, le bâtard! Il est lourd là! Ah, le bâtard! J'ai eu de la latence! Aïe 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 aïe! Vas-y non, les gars, bonne journée, hein, bonne soirée, merci pour la vidéo! Je vais publier ça fort! Des bisous pour YouTube, Chris, Pyro et Ryan, mesdames et messieurs! Bisous! Bonne soirée aussi les gars, vu qu'on se parle que via le jeu là! Bisous, à bientôt! Carrément! À plus! Mes amis sur YouTube, merci, 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 merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de nous avoir accompagnés. J'espère que vous avez kiffé. J'aime ça faire des grosses vidéos comme ça. Là, j'ai enregistré un épisode de 3 heures là, à l'instant. Pour ceux qui me suivent en live, tout ce qu'on faisait, je l'ai enregistré. J'ai fait une petite intro pour YouTube, j'ai dit oui, bonjour, tout ça. Et ça enregistre depuis 3 heures. Depuis un bon 3 heures. Ça va faire un gros épisode parce que je me suis dit, bon, c'est bon. Épisode 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon là. On a fait un épisode, on a fait notre meilleur run. On a été jusqu'à une des lunes niveau 3. On n'a pas encore vu les autres. Et la vidéo sera postée cette nuit chez moi. Je poste la nuit à 1h du matin. Donc c'est 7h du matin, heure de France. Oui, monsieur. Sinon, mes rediffs Twitch sont gratuites. Comme d'hab, tu peux la regarder en temps réel. Là, tout de suite, tu peux regarder la rediff Snapcap. Là, maintenant. Tu peux aller dans mes diffusions précédentes. Laissez-moi juste faire l'outro YouTube et je reviens en live. Hein. Bougez pas. Enfin, bonne soirée à ceux qui s'en vont vu qu'on a fini de jouer. Mais je reviens dans 30 secondes. YouTube, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On vous aime, c'était toute l'équipe, c'est le Streamus, c'est le Nebulus. On se revoit très bientôt. Fin de Videus. Ciao tout le monde. Peace.